Oui, il y a un adage pour relier à ce que vient de dire Ariel. Il y a un adage dans la tradition juive, connu par tous, qui dit que de Moïse à Moïse, il ne s'est pas levé quelqu'un comme Moïse. De Moïse, bien sûr, le Moïse du désert, et puis Moïse Maïmonide. Entre les deux Moïse, il n'y avait pas un autre Moïse. Et je voudrais aussi vous dire que je n'ai pas la prétention, dans l'heure que nous allons passer ensemble, de parler, d'exposer toutes les facettes du personnage, de son œuvre, mais aussi de son travail de médecin, par exemple, ou de logicien. Il a écrit aussi un livre sur la logique. Je me contenterai simplement d'un problème de plus en plus actuel, mais pas simplement sur le plan intellectuel, mais sur le plan social, sur le plan des relations psychologiques, spirituelles, morales, religieuses, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et qui est l'aspect ou la face philosophique de Maïmonide. C'est-à-dire cette révolution qu'il a voulu apporter, il n'était pas le seul, il n'était pas le premier, mais c'est lui qui définitivement a installé la philosophie dans le judaïsme. Et voyez tous les problèmes qui peuvent se poser, non pas comment le poser au Moyen-Âge, après lui, raison et religion, raison et foi, que sais-je moi, Dieu et la science, non pas dans ces termes-là, puisque cette philosophie est entrée dans le judaïsme grâce à Maïmonide et à ceux qui l'ont précédé, et d'une manière systématique. Et cela pose véritablement le problème actuel, est de plus en plus actuel, de savoir dans quelle mesure il y aurait des rapports ou une dialectique, et la nature de cette dialectique entre le judaïsme, et donc au-delà du judaïsme, la religion, et puis la culture générale. La culture générale qui est représentée par excellence en Occident par la philosophie. Et puis c'est de la philosophie que toutes les sciences ont dérivé. Elles avaient raison de prendre leur liberté par rapport à la philosophie, mais au départ, la philosophie n'était pas simplement une spécialité. C'était, quand les Grecs s'y sont intéressés, c'était la connaissance générale. Philosophie, l'amour de la sagesse. Et cette sagesse, ça pouvait être l'astronomie, ça pouvait être les mathématiques, ça pouvait être les sciences, ça pouvait être la biologie. Chez les Grecs, c'est ça qu'on appelait la philosophie, l'amour de la connaissance, l'amour de la sagesse, ici, bien sûr. Alors, je me contenterai donc de ce problème, parce que, non seulement vous dire comment Maïmonide propose de le poser, de le comprendre, en tout cas d'y réfléchir, mais aussi voir dans quelle mesure on peut, comme lui, être fidèle au judaïsme, et participer au paysage culturel et linguistique local, andalo-musulman, dans lequel il a vécu. Problème pour nous aujourd'hui, comment je me débrouille en restant, comment dire, religieux, et en ayant été, puis je suis à la retraite, professeur de philosophie. Je n'ai pas été professeur de philosophie à l'université pour gagner ma vie, parce que je crois que le monde a besoin de philosophie. Mais alors comment je m'arrange ? Quand je prie, quand je mange kasher, quand j'observe les commandements, la raison est là derrière qui me dit qu'est-ce que tu es en train de faire et comment tu justifies cela, tu y crois. Hein? C'est ce problème qui est posé par Maïmonide précisément. Je passerai très rapidement sur les éléments, parce que je voudrais réfléchir surtout sur cet aspect-là, mais rapidement passer, même si vous le savez, sur quelques éléments biographiques, parce qu'ils nous apprennent énormément de choses de notre point de vue. Il est né à Cordoue, vous le savez, on disait en 1735, mais depuis, les historiens plus sérieux pensent qu'il est né en 1138, trois années plus tard. Et s'il était né en 1135, mais ça se discute aujourd'hui, c'est qu'il a dû naître quand même le jour de Pessah, qui tombait à Shabbat. Le 14 Nissan à Shabbat, si c'est 35. Si c'est 38, bien sûr, on attendra de demander à l'ordinateur la date correspondante. Oui. Son père, Maïmoun est un mot arabe, un nom arabe. Ouais. Maïmoun qui veut dire heureux, d'origine arabe. Maïmoun qui était un juge de grande notoriété, oui,
et qui descendaient, qui avaient une ascendance de lettrés. Il y en a qui pensent qu'ils descendaient même de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire celui qui a compulsé les enseignements de toutes les écoles babyloniennes et palestiniennes, puisqu'on peut dire dans ce temps-là Palestine, à partir de 135. Mais jusqu'à 135, on ne peut pas dire que la Palestine existait. Je parle sur le plan historique, hein, le problème politique ne me regarde pas ici. Jésus n'était pas palestinien. Jésus n'était pas palestinien. Et il est toujours désolant de voir dans toutes les Bibles Jésus, la carte de Jésus au temps de la Palestine. Je ne dis pas ça politiquement, s'il vous plaît, sur le plan simplement de l'histoire. Le mot Palestine n'est entré dans l'histoire que 130-135 par les Adriens et ses légionnaires. Et puis, de même qu'il a changé le nom de Jérusalem en appelant Aelia Capitolina, et en même temps, il a interdit aux Juifs de s'y rendre aussi. Alors, je vous serais reconnaissant, en passant une parenthèse, de corriger cela. Mais ceci dit, à partir de 135, la Palestine, la terre de Judée, s'appelait la Palestine. Donc, on pense qu'il descend de Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a compulsé tous les enseignements de la Babylonie et de la Palestine, et qui a composé le premier code de loi, qu'on appelle la Mishnah, qui est la première partie du Talmud. La deuxième partie du Talmud, on appelle ça la Gemara, c'est-à-dire le complément, mais le complément est infiniment plus développé que simplement la Mishnah. Le Talmud est composé de deux parties. La Mishnah, c'est 5-6 lignes qui dictent la loi uniquement. Tu veux prier, voici comment il faut prier. Tu te réveilles, voilà ce qu'il faut faire. Tu veux manger cachère, voilà ce qu'il faut faire. Tu veux te marier, voilà ce qu'il faut faire. C'est le code. Et à partir du deuxième siècle, oui, il y a eu les maîtres qui ont suivi ceux qui ont composé la Mishnah, et Rabbi Yehuda Hanassi qui a fait le travail précisément au deuxième siècle, à la fin du deuxième siècle, et qui ont développé énormément ces lois pour savoir d'où ils viennent, comment les signifier, quel est leur historique. Voilà. Et donc Rabbi Judalissin, et si tel était le cas, alors Rabbi Judalissin est un descendant de David. Ça fait que on conclut que la famille de Maïmonide descendait de David par Rabbi Judalissin précisément. Il est né à Cordoue, mais il faut savoir qu'à Cordoue, la coexistence, c'est vrai qu'on nous a parlé des grandes années de bonheur entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans, et la grande culture de ces siècles en Andalousie. Parlons ainsi de la coexistence et de la collaboration entre les trois religions dans la paix, dans la création poétique, dans la philosophie, dans la rhétorique, dans la logique, dans la médecine. On parle du paradis, de ces temps heureux de l'Andalousie. Cela est vrai à certains moments, mais à plusieurs moments, au temps nombreux, il y a eu des périodes entre les reines de ceux qui s'entretuaient pour se remplacer, avec des révolutions et de la violence, avec du pillage, avec des razzias, avec des massacres. Et massacres dont souffraient énormément les Juifs et les chrétiens. Hein. Tribut très lourd aussi payé par les Juifs, auxquels on offrait la conversion ou l'exil. Ça, il ne faut pas l'oublier quand on parle d'Andalousie aussi, à part les aspects positifs. Il y avait le djihad, le mot existait déjà, il y avait le djihad, surtout quand Ibn Tumerk, avec les Almohades, ont débarqué en Andalousie. Et c'est là que les chrétiens et les juifs ont souffert aussi, et plus que souffert. Oui. Ils étaient sous les conditions qu'on appelle conditions de Dhimmi, mais ça ne suffisait pas. Et les Almohades, le mot Almohade voulait dire, veut dire, Almohade veut dire les conversions à l'unité de Dieu. Almohade, ceux qui s'unissent, qui déclarent la conversion à l'unité de Dieu, et ce Dieu, bien sûr, c'était le Dieu des musulmans. C'est mon maître qui me disait, méfie-toi de celui qui te dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il pense à voix basse, c'est le mien. Ceci dit, grâce aux Arabes, bien sûr, la philosophie a apparu. Elle est entrée dans la pensée juive, précisément, cette philosophie par la médiation des Arabes. Moïse, Maïmonide, comme tous les maîtres de ce temps-là, Saadia Gaon, Yehuda Halevi, etc., les poètes, les philosophes, les logiciens, les médecins, écrivaient dans la langue arabe, mais à travers des lettres hébraïques. Ils utilisaient l'alphabet hébraïque pour écrire l'arabe. C'est comme ça que Maïmonide
a écrit précisément tous ses écrits, sauf le Mishneh Torah, c'est-à-dire le deuxième code de l'histoire d'Israël, dont je parlerai tout à l'heure. Donc l'apparition de la pensée juive, de la rhétorique, de la poésie, grâce au contact avec la philosophie arabe, mais les maîtres juifs sont tout de même demeurés les classiques de la pensée traditionnelle, malgré certaines controverses provoquées précisément par le livre du guide. Et ces controverses étaient intérieures. Beaucoup de rabbins ont mal réagi, très mal réagi, violemment réagi contre les idées que Moïse Maïmonide avait déposées dans le guide, alors qu'ils l'ont admiré, et aujourd'hui c'est le même problème. Il transforme Maïmonide en un schizophrène, puisque le guide qu'il a écrit, il n'accepte pas la manière d'interpréter la Bible du guide, de Maïmonide, tandis que Mishneh Torah, c'est le seul qu'il a écrit en hébreu, c'est le code, et on se réfère jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité à ce code de Maïmonide. Ben, c'est un grand maître, c'est lui qui décide aussi de la loi, et qui est parfaitement valable aujourd'hui, aussi bien chez les Ashkenazim que chez les Sephardim. Ouais. Il y a eu diverses tentations de synthèse entre le judaïsme et la philosophie gréco-musulmane, puisque les juifs reçoivent la philosophie grecque par l'intermédiaire et par les commentaires et par les traductions arabes. Je disais tout à l'heure qu'avant Maïmonide, il y a eu, et pendant Maïmonide et après, il y a eu, par exemple, avec Saadia Gaon, qui est le premier d'ailleurs, qui a abusé de la scolastique qu'il avait appris chez les Arabes. Il y a également Bahya ibn Pakouda, qui lui est piétiste dans le sens noble du terme. Il y a Judah Levi aussi, avec son éclectisme et sa grande poésie, dont la tradition a retenu beaucoup pour le jour de Kippour et Rosh Hashanah. Les principaux poèmes que nous lisons à la synagogue Rosh Hashanah et Kippour, le Nouvel An et Kippour, sont tirés essentiellement de Judah Levi. Et puis il y a surtout le rationalisme systématique de Maïmonide. Ouais. À 14 ans, il est donc, à cause des Almohades, il était obligé, ses confesseurs de l'unité de Dieu, il est obligé de quitter l'Espagne. Quand Abdelmoumen occupe Cordoue en 1148, Cordoue, c'est-à-dire une grande université, un grand centre de commerce, un grand centre des arts, une grande académie rabbinique aussi, qui pouvait se présenter comme la rivale des centres mésopotamiens sur le plan juif. Les Almohades, bien sûr, convertissaient par le glaive ou par l'exil, les hérétiques, et soumettaient les autres au dhimmi, à ce qu'on appelait précisément cet impôt que chrétiens et juifs étaient obligés de payer pour en retour être protégés, mais ils n'étaient pas du tout protégés, ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi ils les obligeaient à la conversion. Et c'est un problème aujourd'hui qui n'est pas clair, mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui le prétendent, que Maïmonide était peut-être le premier marin chez les Arabes. Il s'était converti extérieurement pour avoir la paix tant qu'il était à Cournon. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas la seule légende qu'on raconte sur Maïmonide. Il quitte donc l'Andalousie avec sa famille. Et il choisit, et ça c'est une question aussi, pourquoi a-t-il choisi le Maghreb, c'est-à-dire la ville de Fès, plutôt que l'Espagne chrétienne là-haut? Pourquoi il n'est pas monté? Il est descendu. Et ce n'est pas parce qu'il parlait l'arabe, je ne crois pas que ce soit une raison suffisante. Il est descendu donc à Fès, il va à Fès. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Fès, on vous présentera à l'entrée du vieux Mella, une maison avec 13 timbres dans les fenêtres, et tout le monde vous racontera que Maïmonide a habité dans cette maison. Et c'est la légende, en tout cas, c'est ce qu'on raconte sur Maïmonide. Et là, à Fès, il étudie auprès d'un grand maître marocain qui est Rabbi Houda HaKohen, Judas HaKohen, le prêtre. Il étudie donc la Torah, la tradition, mais c'est chez les maîtres musulmans qu'il apprend la philosophie, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la logique. Il y rédige à Fès, il rédige un traité sur le calendrier juif et il commence ses interprétations talmudiques, son exégèse talmudique. Il écrit aussi là-bas, à Fès, un traité de l'art de la logique.
là, il commence aussi à rédiger son commentaire sur la Mishnah. Il commence à composer donc le code et à commenter précisément ce code. Et il adresse aussi là l'épître sur l'apostasie aux communautés juives, à tous les juifs qui se sentaient coupables d'être obligés de se convertir, parce qu'il y avait, il y en avait qui se convertissaient, mais comme les marins plus tard en Espagne, quand ils rentraient chez eux, ils restaient fidèles aux lois, mais à l'extérieur, ils étaient obligés de faire semblant d'être musulmans. Donc les misères de la persécution étaient tellement grandes qu'il lui écrivait. Et Maïmonide répond, on voit ici c'est un problème, mais un autre niveau aujourd'hui qui se pose, il leur recommande la fuite quand dans un pays il n'y a plus d'intolérance et que les juifs souffrent, il leur départait quitter le pays. Et il leur écrit également de se méfier des faux messies qui profitent des crises pour faire croire au peuple n'importe quoi, parce que profitons précisément de l'angoisse. Ce sera l'idée maîtresse de sa fameuse épître également, qu'il écrira plus tard aux Yéménites, qui souffraient aussi, et qu'il expédiera de Fosta en Égypte, où il habitait et où il est mort. Il fuit aussi le Maroc, car son maître Judas HaKohen n'avait qu'un seul choix, être exécuté ou se convertir. Ouais. Et il n'a pas voulu abjurer sa foi. Et il a été exécuté. C'est ce qui a déterminé en grande partie la famille de Maïmonide de quitter le Maroc aussi, avec son père, avec son frère David et sa sœur Myriam. Ils prennent le bateau à Ceuta. C'est la ville encore aujourd'hui espagnole, en 1165, pour la ville d'Acco, après 4 semaines de navigation. Mais ils partent par la suite, ils quittent Acco. Il ne reste pas longtemps là et il part en Égypte, à Fosta, au Vieux Caire, car une grande communauté se trouvait dans cette ville et avec 3 grandes synagogues, 2 synagogues orthodoxes, une irakienne et une palestinienne. On appelait ça la synagogue d'Ibn Ezra, oui, où on a trouvé précisément la Guénisa, qu'on appelle la Guénisa du Caire. C'est là-bas, c'est dans cette synagogue d'Ibn Ezra qu'on l'a trouvée. Et puis la troisième était une synagogue karaïte. Vous savez, les karaïtes, à la différence des pharisiens, puisqu'il n'y avait plus que les pharisiens depuis la destruction du temple, et les chrétiens, bien sûr. Et les karaïtes, eux, lisaient la Torah, et on peut les considérer comme les premiers auteurs critiques de la Torah. Et ils revisaient donc un certain nombre de choses, comme les sadducéens avant eux. Il revisait l'interprétation pharisienne de la Torah et il restait tout près de la Torah en s'aidant précisément de ce qu'on appellerait, mais avec anachronisme, je comprends bien, mais c'est l'idée historico-critique. Et c'est les premiers qui ont décidé précisément à partir du 9e siècle, les Karaïtes, de lire la Torah de cette manière-là. David, c'est David son frère qui pourvoyait aux dépenses de la famille. Et il était marchand en pierres précieuses et il naviguait dans toutes les mers. Il a finalement, malgré le conseil de Maïmonide, il est mort en mer. Oui. Et il exerçait la médecine également. Et puis ensuite aussi, je vous demande d'enlever de votre esprit aussi cette idée que Maïmonide en Égypte était le médecin de Saladin. C'est de la légende. Il a été nommé par le grand vizir de Saladin médecin de la cour, mais il n'est pas évident qu'il ait soigné, on n'a pas de traces. Et ce grand vizir s'appelait Al-Fadl, qui est de Saladin précisément. Autre chose aussi, pour terminer sur ces éléments très rapides, biographiques, c'est à Fosta qu'il a achevé l'œuvre de sa jeunesse, c'est-à-dire le commentaire de la Mishnah, en 1168. Et c'est là aussi qu'il a rédigé son code personnel aussi, et qu'il a fait réponse, on appelle ça les responsa, à des centaines de questions qui lui étaient posées de partout autour de la Méditerranée. Il a mis, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il a mis de l'ordre dans les sciences religieuses de son temps.
il a essayé de concilier les impératifs de la halakha avec ceux de la raison. Et la raison chez lui, c'était la conception aristotélicienne de la raison. Puis c'était surtout Aristote qui dominait dans ce temps-là, avant Platon. Il s'adresse à son disciple, là aussi il faut corriger. Et on le trouve dans tous les livres, son disciple n'est pas Joseph ben Aknin. Non, on le confond avec un autre Joseph, pas Joseph ben Judas ben Simon, qui n'est pas le Judas, plus Joseph ben Simon Aknin. On le trouve encore dans les livres, ce n'est pas Joseph Aknin, ou Aknin, qui est transformé au Maroc en Waknin, bon, c'est le même mot, qui est son disciple. Ça n'a absolument rien à faire. C'est son disciple, portait le même nom, mais à l'envers, non pas Joseph ben, ben Aknin, ben Simon, mais à l'inverse, Joseph ben Judas ben Simon, donc qui est le véritable disciple, et qui a habité précisément aussi Ceuta, et qui va finir aussi par quitter Ceuta pour le rejoindre en Égypte, avant de repartir en Israël. C'était à lui... C'était pour lui, c'était à lui qu'était destiné le guide des égarés, comme on l'appelle voilà, ici. Alors que, aussi, quelque chose qu'il faut corriger, vous connaissez, en arabe, dalalet al-hayrin, hayrin ne veut pas dire les égarés. Ouais. On ne va pas dire du tout égarés, je vais le préciser tout à l'heure. Et dans une lettre adressée à Samuel ibn Tibboun, on est depuis l'Égypte, son traducteur, ouais, il indique ses sources. Aristote, Averroès, Al-Farabi, Ibn Bajjar, Ibn Bassa, Vicenne, Al-Razali, oui, Isaac d'Israïli, Joseph Ben Sadouk. Il a énormément étudié. Et puis, il était médecin, bien sûr. Et je voudrais simplement, pour terminer ces éléments biographiques trop rapides, simplement vous dire la lettre qu'il lui écrit pour lui dire son emploi du temps chaque jour, à Maïmonide. Il l'adresse donc à son traducteur. Et on lit dans cette lettre des détails sur les occupations quotidiennes de Moïse et les charges multiples qui pesaient sur lui durant les dernières années de sa vie. Il dit jamais de retour du palais royal avant midi, affamé, exténué. Je trouve mes antichambres pleines de monde, juifs et non-juifs, notables et gens de commun, juges et huissiers, amis et ennemis, une société mêlée qui attendait mes soins. Je mets pied à terre, je me lave les mains et je vais au devant de mes malades, les suppliant de prendre patience, le temps que je prenne une légère collation, le seul repas que je fais dans la journée. Puis je retourne vers eux, je les examine et leur prescris sur ordonnance des médicaments et des conseils. Il en vient jusqu'à la tombée de la nuit. Le jour du Shabbat seulement, je parviens à m'isoler quelques instants. Ce jour-là, après la prière du matin, les membres du conseil de la communauté se réunissent autour de moi à mon domicile. Je leur donne des instructions pour la semaine, puis nous nous mettons à étudier dans la journée. Après le repas, quelques-uns reviennent et nous reprenons l'étude jusqu'à la fin de la prière du soir. Voilà le travail quotidien de Maïmonide. C'est pas, oui, 35 heures. Voilà donc les éléments biographiques. J'entre maintenant, j'affronte le grand problème de la philosophie et comment cette philosophie donc est entrée à partir de Maïmonide, beaucoup plus qu'avec les autres qui l'ont précédé, dans la tradition juive et qui fait aujourd'hui problème, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. C'est un exemple qui me vient maintenant à l'esprit. Lévinas, qui est un grand connaisseur, non seulement en philosophie, mais dans la tradition juive, mais Lévinas, quand il commente un livre de Talmud, eh bien, ceux qui sont très religieux, on les appelle les orthodoxes, il dit non, il fait de la philosophie. Vous voyez, c'est un problème. Lévinas fait de la philosophie quand il commente le Talmud. C'est-à-dire que le Talmud, ce n'est pas ce que dit Lévinas de lui. Ça pose problème. Ça pose problème comme si comme je dis, il fallait... Quand on est juif, il faut obéir et mourir idiot. La perte de l'autonomie, politique entraîne l'exil, hein, entraîne une perte du savoir, de la tradition, partout où les juifs étaient exilés, ou là où ils sont maintenant depuis 1948 en diaspora, à cause des persécutions. Mais à cause aussi des disputes incessantes des écoles rivales à l'intérieur du peuple juif lui-même. Il n'y a jamais eu dans l'histoire cette unité véritable.
tout le monde se déclare juif, tout le monde parle d'Abraham, Isaac et Jacob, tout le monde parle du Sinaï et de la tradition juive dans sa noblesse et dans sa grandeur et dans sa valeur. Mais ça reste des déclarations. Mais lorsqu'on passe dans la pratique et le témoignage, il y a une division, une séparation et même parfois une grande distance, pour ne pas dire autre chose. Pas. Et à cause donc des persécutions, et à cause de ces disputes incessantes qui sont positives d'un côté, mais négatives de l'autre côté par rapport à la tradition et à l'interprétation. Pas. Il n'y a pas de guide qui puisse dire aujourd'hui quelle est l'interprétation légitime de la Torah et du Talmud. Parce que chaque pas secte, mais chaque judaïsme, on dira, mais chaque judaïsme, chaque partie du peuple juif a sa manière d'interpréter, sa manière d'enseigner. Oui. Ça, c'est la richesse du peuple juif. Mais cette richesse précisément ne se révèle pas seulement positive. Il y a des aspects négatifs qui poussent à la division, pas, et à la séparation et à l'opposition. Et c'est la situation que trouve Maïmonide. En Espagne d'abord, au Maroc, puis en Égypte. Et Maïmonide va réagir. Et ce n'est pas par hasard s'il réagit de deux manières. D'une part, il écrit le Mishneh Torah, la répétition de la loi, c'est-à-dire le deuxième code, après le code de Rabbi Yehuda Hanassi, il y a la Torah. Le premier code qui dit la loi de ces temps-là, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, je vous ai dit tout à l'heure, la Mishnah, la première partie du Talmud. Et le deuxième code, c'est Maïmonide qui l'écrit. Le troisième, ce sera Rabbi Yosef Karo, au XVIe siècle, qui l'écrira. Ouais. On a trois grands codes avec des commentaires, bien sûr, de ces codes-là. Il écrit donc le Mishneh Torah, la répétition de la loi, du point de vue pratique, dans l'ordre, dans la clarté et dans la précision, pour dire exactement aux Juifs de son temps, voici ce qu'il faut faire. Il fixe ce qu'on appelle la halakha, la loi, la démarche. La halakha, c'est-à-dire la conduite, donc c'est l'aspect pratique. Mais il écrit en arabe, avec caractère hébraïque, le guide. Pour, dit-il, entre guillemets, il veut restaurer la science de la loi dans sa réalité. Il ne suffit pas d'obéir, Mishneh Torah, mais il faut restaurer la compréhension de la pratique de la loi. Et on ne peut restaurer la compréhension, il ne suffit pas d'obéir, il faut connaître et savoir ce qu'on est en train de faire et en quoi ça répond à la situation de l'homme dans le monde. Il y a ces formes d'habitation qui changent de génération en génération, précisément par l'interprétation de la Torah. La sagesse, Maïmonide, c'est la compréhension et le témoignage pratique. Le témoignage pratique ne suffit pas. Il est nécessaire, il est incontournable, mais il ne suffit pas. Il faut comprendre. Et le titre, précisément, j'y reviens. Le titre de son livre qu'il appelle le guide des perplexes, hein, pas des égarés, Dalalat al-Hayrin, je dis toujours Hayr en arabe, pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est l'omelette qu'on fait avec les œufs brouillés. Hayr, c'est brouillé. Ce n'est pas perplexe. Pas. Vous allez à un restaurant, vous dites je veux l'œuf pas dur, mais Hayr, mélangé, exactement. Il ne s'agit pas de perplexité. Il s'agit pas d'égarement, il s'agit de perplexité. Oui. Et pourquoi le problème se pose? C'est que ces perplexes auxquels, surtout son disciple, pas, qui est perplexe, ces perplexes auxquels Maïmonide s'adresse, n'ont pas perdu la foi. Ils tiennent à leur foi. Oui. C'est, dit-il, je le cite, c'est un homme religieux, chez lequel la vérité de notre loi est établie dans l'âme et qui est devenu un objet de croyance et qui est parfait dans sa croyance. Il a étudié, mais seulement il a étudié des sciences, des philosophes, des philosophies, et il en connaît les divers sujets. Il est donc parfait dans ses mœurs. Mais lisant la Torah, il tombe dans la perplexité à cause de la contradiction. Le perplexe, donc, est un savant. Il n'est pas égaré. Il est parfait, je le cite encore Maïmonide, dans sa rationalité, dans sa foi et ses mœurs. La foi qu'il ne veut pas quitter, quoi qu'il arrive. Il est donc plutôt troublé. Troublé par quoi? Par les rationalités des textes de la Torah. Quoi décider? Il est
perplexe parce que soit il décide que c'est Dieu qui a dicté la loi et comme il croit en Dieu, il y obéit et il n'a pas besoin de chercher le sens. L'essentiel est d'obéir. Et plus vous obéissez sans comprendre, plus votre foi est grande. Mais Maïmonide dit, ça, la raison ne vous laisse pas faire. Même si dans la pratique vous restez fidèle, la raison ne vous laisse pas faire. Et l'hypocrisie s'installe entre vous. À la manière dont vous pensez et vous vivez cette perplexité, et puis à l'extérieur, la manière dont vous obéissez, alors que ça ne correspond pas véritablement à une signification intérieure que vous exprimez, dont vous témoignez à travers la conduite. Maïmonide cherche cette unité de l'homme, intérieur et extérieur, c'est précisément les deux critères de la cache-route. Un animal ne peut pas être consommé s'il n'a pas les savons fondus, c'est-à-dire le critère extérieur, et s'il ne rumine pas, c'est-à-dire le critère intérieur. Ça, c'est le critère de la pureté. Projeté dans le monde économique, il faut que l'économie s'installe de telle manière qu'elle puisse garder la pureté, entre guillemets, symbolique dans l'ordre social, et en même temps que cet ordre social n'avale pas la personne humaine, que la personne humaine aussi, que la société s'occupe aussi de la personne humaine et pas simplement les individus. Car l'homme n'est pas un individu, c'est une personne. Et il ne faut pas que le collectif absorbe la personne humaine. Ça, c'est les deux critères fondamentaux de la pureté, ce qu'on appelle la pureté, ou si vous voulez, de l'ordre normal et moral. Soit au contraire, il abandonnerait, au lieu d'abandonner la raison, il garde la raison. Mais gardant la raison, il va rejeter la loi. Et il va se laisser guider seulement par la seule raison. Ce serait le sacrifice de ses racines. Or, il ne veut pas sacrifier ses racines, mais il ne veut pas non plus sacrifier sa raison, car après tout, dit Maïmonide, c'est Dieu qui a mis cette raison dans lui. Et donc, c'est un problème que Dieu ne lui pose pas, et qu'il faut absolument qu'il y réfléchisse. On ne peut abandonner la révélation, mais on ne peut pas non plus continuer à lire la Torah littéralement sans la raison. Le perplexe est devant cette double impossibilité. Impossibilité de faire la philosophie sans la révélation et impossibilité de philosopher comme si la révélation n'existait pas. Car la philosophie a beaucoup à nous apprendre, dit Maïmonide. C'est cette double impossibilité que naît la philosophie juive. Et c'est ça que comprend Maïmonide. Il va précisément obliger la tradition juive, 1000 ans après Philon, en Alexandrie, de se confronter à la philosophie, à la culture générale. On appelle ça en hébreu la sagesse des nations. Il y a une sagesse juive, il y a une sagesse des nations, et le juif est entre les deux, dans la dialectique entre les deux. Et tout le problème précisément, c'est que dans chaque génération ou chaque étape de notre vie personnelle, pas simplement collective, ce problème se pose. Parce qu'au cours des générations, l'homme s'installe et habite le monde d'une autre manière. Il faut chaque fois réactualiser à partir de cette culture et de cette nouvelle forme d'habitation de l'homme dans le monde pour pouvoir interroger la Torah et voir ce qu'elle répond. C'est dans cette dialectique que l'homme juif s'installe. L'homme chrétien, ici aussi. Donc il veut, Maïmonide dit-il, il veut donner, entre guillemets, l'éveil à l'homme religieux, lui apprendre à mieux lire la Torah. Il faut donc mettre à sa disposition une herméneutique qui, nourrie de la philosophie, va transformer sa pratique de la loi, son rapport à la loi, et sa pratique philosophique. Et attention, il ne faut pas mal le comprendre, comme beaucoup de lecteurs, malheureusement, quand il dit transformer la pratique de la loi, ça ne veut pas dire qu'il faut changer la loi, puisqu'il l'a fixée dans le Mishneh Torah. Non, ça signifie changer la relation que j'ai avec la loi. Je dis mon exemple, moi, ce n'est pas Maïmonide qui le dit. Si aujourd'hui, la réflexion sur le travail me permet de prendre conscience de la manière dont l'Occident organise le travail, et au-delà de l'organisation pratique, la conception qu'il a du travail, ici, je suis obligé de réfléchir sur le Shabbat que je respecte,
non pas en continuant à dire que Dieu s'est reposé, etc., ou alors citer toutes les significations avant moi, ça, on les connaît. Mais ceux qui m'ont précédé, qui m'ont transmis ces significations du Shabbat, ne connaissent pas la nouvelle donne dans laquelle je suis. Ils ne m'ont pas donné la solution pour la nouvelle situation du travail, aussi dans sa conception que dans sa pratique. Et il faut donc non pas que je change le Shabbat, la loi du Shabbat, mais que je change ma relation et la signification que je donne au Shabbat à partir du problème économique qui se pose dans la société où je suis. Et c'est ça l'esprit de Maïmonide. Il ne s'agit pas de changer la loi encore une fois, comme certains le pensent. Non, puisqu'il a écrit le Mishneh Torah. Il ne peut pas écrire un code et en même temps dire qu'il faut le changer. Impossible. Voilà donc, ici, Maïmonide demande qu'on reconnaisse ces tensions sans les abolir. Mais on dira mieux, actualiser les significations de la loi. Tu ne tueras point, c'est tu ne tueras point. On ne peut pas la changer. Ceci dit, mais ça dépend de la situation où vous êtes, individuellement et collectivement. Principe donc. C'est un principe cité très souvent dans le Midrash et dans le Talmud, qui dit en hébreu, Tapuhezahav maskiot kesef, davar davur alofanaf. Comme des pommes d'or, c'est tiré dans la Torah, bien sûr, comme des pommes d'or dans un filet d'argent, filigrane, telle est la parole dite selon ses deux faces. Et il demande d'appliquer ce principe biblique à l'interprétation, à la lecture de la Torah. Et comme si le véritable secret de la Torah était enfermé dans des mots, ça c'est le filigrane, et à l'intérieur il y a la signification aussi. Et donc par conséquent, la parole de la Torah, elle ne s'énonce pas sur un seul mode, elle s'énonce sur deux modes. Le mode extérieur et le mode intérieur. Il y a la lecture littérale de la Torah, dit-il, il y a la véritable lecture de la Torah, qui est précisément allégorique. Je reviendrai, c'est la première remarque que je lui ferai. Parce que le Midrash, ce n'est pas l'allégorie. L'allégorie, il vient de la philosophie. Je reviendrai sur cela, retenez cela, n'est-ce pas ? C'est la première remarque que je lui ferai en conclusion, n'est-ce pas ? Que la limite de son interprétation, parce qu'il fait appel à l'interprétation philosophique, il est obligé, comme les stoïciens l'avaient fait déjà en Grèce, par rapport à leur mythe, ils mettaient en question leur mythe, et puis ils s'aperçoivent que leur mythe portait des choses, mais allégoriquement, et il ne fallait pas les prendre littéralement. Mais c'est le même travail qu'a fait Philon d'Alexandrie, mais il a échoué, parce qu'il a aussi utilisé l'allégorie. Et les rabbins l'ont rejeté, on n'en parle pas. Et pourtant, il a voulu montrer aux philosophes que la Torah était une véritable philosophie à condition de la lire allégoriquement. Mais le mode d'interprétation de la Bible rabbinique n'est pas l'allégorie, c'est le midrash. Ce n'est pas l'allégorie, je reviendrai tout à l'heure ici. Le filet donc circonscrit le territoire des mots, du langage et de l'imagination aussi, et évite les contresens à condition de savoir lire à travers les petites ouvertures infinies du filigrane pour entrer au-delà de la lecture et au-delà de la perception, si vous voulez, sensible, dans le sens même que ce filet garde, qui est le sens du mot. Parce que le mot, pour lui, n'est pas vrai, n'est pas faux. En quoi il a raison, c'est Aristote. Le mot n'est pas vrai, pas faux. Je dis une sirène, c'est-à-dire une femme moitié homme, moitié femme. J'ai dit sirène, vous ne pouvez rien dire. Vous pouvez me dire c'est faux. J'ai rien dit, j'ai dit sirène. La vérité, elle commence dans la combinaison du Maïmonide. Il emprunte ça à la logique d'Aristote. Si j'ai dit j'ai vu une sirène, là vous pouvez me dire c'est impossible. Mais j'ai dit sirène, sirène. Le mot n'est pas vrai, n'est pas faux. Cela dépend de la signification qu'il porte et de la combinaison qu'il a avec les significations portées par les autres mots. Pas. Donc le mot n'est pas vrai, n'est pas faux, n'est pas bien, n'est pas mal, pas c'est ça. Le mot, il est là, et il porte à l'intérieur, symboliquement ou allégoriquement pour lui, une signification arbitraire, acceptée et enseignée à l'enfant, futur adulte. Et c'est sa combinaison avec les autres mots qui est derrière une combinaison entre les idées, précisément, qui est importante, qui porte la vérité ou l'erreur, ici. Voilà donc
cette méthode proposée par Maïmonide. Et c'est pourquoi, dans le Guide des égarés, vous avez les 49 premiers chapitres qui sont uniquement consacrés à la lexicographie. Il prend les mots qui gênent dans la Torah et il donne des exemples, il les analyse et il nous dit comment les lire, hein, d'une manière allégorique. Par exemple, il prend le verbe « descendre ». Alors il dit, dans Genèse 46, 1, 4, on me dit que Dieu est descendu en Égypte avec Jacob. Qu'est-ce que veut dire un Dieu descend? Mais il a raison. Pas. Que veut dire qu'un Dieu descend? Je sais qu'un homme descend, parce que je le vois, il a un corps. Mais Dieu n'a pas de corps, n'a pas de matérialité. Que veut dire qu'il descend? Oui. Et puis on nous dit aussi, à Porto de la tour de Babel, Genèse 18, 21, il dit, je vais descendre voir. Il avait besoin de descendre pour voir de là-haut, de l'infini où il est. Il pouvait voir. Qu'est-ce qu'il avait besoin de descendre? Que veut dire qu'un Dieu descend? Et on ne peut pas donner tort à Maïmonide, il a raison. Pas. La question pour lui, c'est qu'il va le comprendre allégoriquement, alors que le Midrash va y répondre à sa manière, mais sur un autre plan. Vous voyez ici. Aussi, on dit au Sinaï que Dieu est descendu sur le Sinaï pour donner la Torah. Mais que veut dire qu'un Dieu qui descend? Oui. Et puis, alors je vous passe, j'ajoute, la main de Dieu, les yeux de Dieu, Dieu regrette, Dieu se met en colère, Dieu aime. Il paraît que Dieu aime. Hein. Il paraît que Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui vaut pour l'homme et vous le projetez sur Dieu, ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Voilà, ici. Et c'est pourquoi on en a voulu, c'est pourquoi le guide a été une crise et continue à être une crise dans le judaïsme. Il y en a qui n'y croient pas et qui ne veulent pas le lire, mais c'est le Mishneh Torah qui les intéresse. Mais il a provoqué des tas de réactions chez les juifs eux-mêmes, bah, du vivant de Moïse, de Maïmonide et après, n'est-ce pas, ici. Donc, aucune, on dit « Dibera Torah Kishon Ben Adam », la Torah parlait le langage des hommes. Et cela signifie qu'il faut comprendre métaphoriquement, bah, la Torah et éliminer toute matérialité, toute corporéité. Bien que les mots de la Torah désignent du matériel et du corporel, mais uniquement humain, exclusivement humain. Aucune expression de mouvement et de repos ne peut et de déplacement ne peut s'appliquer à Dieu, puisque Dieu n'a pas de corporéité et n'a pas de matérialité. C'est ce que nous disons tous les vendredis soirs et tous les Shabbat matins. En lo de mutaguf ve en oguf. Il n'a pas d'image du corps, c'est-à-dire il n'a pas de matérialité. Ve en oguf, il n'est pas corps non plus. Dieu est esprit. Maïmonide invoque en kélos, la première traduction araméenne de la Torah, la plus ancienne aussi, qui supprime toute matérialité en utilisant des paraphrases. Au lieu, par exemple, et c'est ce que fait en kélos d'une manière systématique, qui le premier déjà a été gêné par ces expressions dans la Torah, qui sont valables pour l'homme mais pas pour Dieu. Alors il traduit « je descendrai » au Sinaï ou au Babel, etc. par « je me manifesterai ». Vous voyez donc, il a cherché l'intérieur du mot « descendre » et cela signifie par exemple que Maïmonide a raison, on ne peut pas prendre la Torah littéralement. Mais ça pose un problème énorme. Que veut dire ne pas prendre la Torah littéralement? Est-ce qu'il n'y a pas d'histoire dans la Torah? Il n'y a pas des événements dans la Torah? Quoi, les Hébreux n'étaient pas en Égypte? Moïse n'a pas existé. Et on va aller très très loin avec cette méthode d'interprétation aussi, qui va aller à l'extrême en niant toute historicité de la Torah. Hein. Au lieu de, donc, il dit aussi l'expression, c'est Dieu qui dit à Jacob, quand Jacob est obligé de fuir son frère Ésaü et qu'il fait le fameux rêve, Dieu lui dit dans le rêve, je suis avec toi. Mais que veut dire que Dieu est avec Jacob? Alors, en kélos traduit, mes paroles t'aideront. Vous voyez donc le déplacement, encore une fois, à travers le filigrane. Pour lui, accepter que la divinité puisse avoir des attributs matériels qui ne sont valables que pour l'homme relève de l'idolâtrie et contredit le deuxième commandement de la Torah. Tu ne feras pas d'image, tu ne feras pas à l'image du ciel, de la terre, des poissons, etc. Or, lire la Torah littéralement et croire que vraiment Dieu est descendu du Sinaï comme l'homme descend, ben, c'est brisément de transgresser, ne pas avoir assez réfléchi à
l'interdit de la représentation. Il démontre à partir donc de la physique d'Aristote cela. Il réfléchit aussi, je vous passe, vous pouvez les lire, je vais gagner mon temps ici, sur les 10 paroles aussi. Hein, on dit que le peuple n'entendit que les 2 premières paroles, « Je suis, il n'y aura pas d'idole ». Les autres paroles furent entendues par Dieu, par Moïse seul, hein, les autres paroles. Et Moïse les a transmises à son peuple. Maïmonide écrit, je vous les guillemets, « Comme ce peuple n'était pas composé de prophètes, il a seulement entendu ce à quoi on peut arriver sans prophétie. Et ce à quoi on peut arriver sans prophétie, l'existence de Dieu, son unicité et sa non-corporéité. » Voilà ce que le peuple hébreu a entendu au Sinaï avec les 2 premiers commandements. Et le reste, c'est Moïse qui les a interprétés ou qui leur a transmis. Et de même aussi, on peut dire que l'homme, faut voir cela, l'homme, dit-il, est par nature un être politique. Ça aussi, c'est Aristote. Un être politique, c'est-à-dire un être qui ne peut pas vivre en dehors de la société. Un être qui n'est pas la politique, pas la lutte politique. C'est polis, le mot polis grec, qui veut dire la cité. L'homme ne peut pas vivre et n'a jamais vécu en dehors de la société. L'homme est un être, on dira dans notre langage aujourd'hui, l'homme est un être avec. Il n'est pas seul et ensuite il découvre l'autre. Il a le désir dans l'autre, il a la relation à l'autre en lui. Pas. Regardez l'enfant dans le ventre de sa mère, ou l'enfant quand il s'allait dès le départ du Maïmonide. Donc, l'homme est un être avec, il n'est pas, et il devient avec. Mais il est avec immédiatement, il prend conscience de lui-même qu'en comprenant que pour se rejoindre, le chemin qui va de lui à lui passe par l'autre. Et l'autre n'est pas là comme par hasard, et devant lequel je suis soumis à des lois, mais présence, mon existence dépend de l'autre et de ma relation à l'autre, est constitutive de mon identité. Donc l'homme est un être politique, il vit en société. Mais seulement la société, dit Maïmonide, la société, c'est les différences entre les personnes et les contrastes et les abîmes énormes qui séparent l'individu de l'autre. Chaque homme est ce qu'il est différent de l'autre, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est unique, donc chaque homme qu'il crée est à son image. Et chaque homme est unique au monde. Personne ne ressemble à qui que ce soit d'autre. Dans le passé, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde, vous pouvez être sûr qu'il n'y a personne qui vous ressemble, pas qui vous ressemble, qui soit identique à vous. Vous êtes unique au monde, vous portez l'humain à votre manière unique, que personne n'a porté, que personne ne porte et que personne ne portera. Comment vivre en société alors? Comment vivre en société? Le problème social est un nécessaire impossible. La société qui est formée, donc, elle est nécessaire, mais elle est difficile, pour ne pas dire impossible. Il faut donc un guide qui réglemente les actions, les conduites. Il faut que vous soyez en accord avec l'autre, non pas en vous identifiant à vous, à lui, non pas en le redisant à vous et vous à lui. Il n'est pas là pour obéir à votre désir. Et vous n'êtes pas là pour obéir à son désir, chacun est unique au monde, différent, séparé par l'abîme, ce que même Lévinas appelle l'altérité aujourd'hui. Il faut donc que cet accord dans la société, le lien social, doit être fondé sur une loi que ni toi ni moi ne faisons. C'est une loi extérieure qui s'impose à nous. Parce que si c'est moi qui fais la loi, c'est le rapport de la violence. Et si c'est toi qui fais la loi, tu m'as mis obligé à obéir, et c'est toi qui fixes la loi arbitrairement, même si elle est rationnelle. Et donc, violence. Et la seule manière d'écarter la violence, de réduire la violence, et de permettre à des différences entre les personnes de coexister précisément, c'est que les deux se soumettent à la loi. Donc, au commencement, il y a la loi universelle qui s'impose à tous. Nous disons, il y a la Torah, il y a au départ ce fait impossible à nier, qui est la révélation. La révélation, c'est-à-dire une loi qui vient de l'extérieur et à laquelle je dois obéir pour installer la paix et la justice dans la société. La loi. Il faut un guide, il faut la loi. Et il faut aussi des personnes, il faut le dire aujourd'hui, il faut des personnes qui ont la capacité de diriger et de garantir cette loi. Donc il y a 2 modes de direction dans la société. Il y a la législation qui, à partir de la loi
avec un grand L majuscule, la loi en elle-même, qui se fonde en elle-même. Il faut la loi en elle-même, évidemment, mais il faut le législateur qui va établir les normes par l'interprétation de la loi par rapport à la situation où nous sommes. Mais il faut le gouvernement, lui, qui oblige les hommes à suivre les normes, la norme décidée. Le but de la législation de la loi, c'est la perfection du corps et la perfection de l'âme. Et la perfection de l'âme, c'est l'entendement et la pensée, la réflexion et la connaissance. Voilà les deux devoirs de la société, mais la société elle-même doit se soumettre à cette loi objective transcendante qu'aucun individu, aucune société n'a créée. Et l'histoire donne raison, vous me permettrez de parler ainsi, l'histoire donne raison à Maïmonide, oui, parce que précisément, la dégradation de la loi et de la transcendance de la loi qui s'impose universellement, qui s'impose à tous les peuples en tant que peuple, et à chaque homme à l'intérieur de son peuple, et à chaque groupe, et à chaque famille. Cette transcendance de la loi a été détruite par les philosophes de la lumière en transformant la loi, en y projetant le rapport économique, hein, que l'homme a peur de l'homme. La seule manière de pouvoir vivre avec l'autre sans danger, puisque chacun a peur de l'autre, l'homme est un loup pour l'homme, voilà le principe philosophique sur lequel se fonde le droit et la justice avec les philosophes de lumière, bien il faut quelqu'un qui est capable de diriger ça et de garantir cela, comme Machiavel dit le prince. Oui. Il faut un gouvernement qui garantisse cela. Mais seulement c'est la société donc qui dicte la loi. Oui. C'est la société qui dicte la loi. Oui. Donc la loi est relative, elle n'est plus transcendante. La loi peut changer. Oui. Alors qu'il y a, au-delà de la loi sociale, même ainsi comprise, dit Maïmonide, il y a une loi transcendante qui est prise pour nous, dit Maïmonide de la Torah, c'est-à-dire la loi morale, la loi éthique, spirituelle, qui dépasse la loi sociale, qui dépasse la loi économique, qui dépasse la loi, qui dépasse absolument toutes les modalités de l'incarnation de cette loi, qui est la même pour tous, ce qui est la loi morale, et cela, ce fait-là, est incontournable, il faut l'accepter pour pouvoir vivre ensemble. Et la philosophie refuse cette loi. Voilà comment le problème se pose. Quand la philosophie réfléchit, et surtout la philosophie grecque que Maïmonide connaît, ben, cette loi, c'est une loi de la raison. Et la raison, donc, est la meilleure des choses, la mieux partagée. Il paraît que c'est la chose la mieux partagée. Ouais. Ouais. Ça, c'est à démontrer. Bon, mais peu importe ici. Mais si c'est la raison qui fixe la loi, alors la loi n'est plus transcendante, c'est une loi uniquement rationnelle. Mais il ne s'agit pas de raison pour le salut de l'homme. L'existence, il est injuste de la réduire à la raison. La raison n'est qu'une fonction de l'homme. Il y a l'existence de l'homme, il y a les autres fonctions dans l'homme. C'est toute l'existence qui doit être concernée par l'homme, et pas simplement par la raison. Hein. Et la raison elle-même est limitée. Elle est limitée par quoi? Par la transcendance de la loi. Bah, ici. Quand vous utilisez la raison, bah, quand vous êtes en train d'utiliser votre raison pour construire un appartement, est-ce que vous la construisez uniquement rationnellement, et heureusement que vous la construisez rationnellement, sinon elle va se détruire, elle va s'écrouler. Bien sûr, il faut la raison. Pas. Sans la raison, on devient fou. Pas. Mais avec la raison seule, on sacrifie les dimensions importantes de l'homme. Pas, ici. Et qu'est-ce que cela signifie, cette transcendance de la loi? Si avec la raison, vous êtes en train de construire, j'ai dit dans mon langage aujourd'hui, cette idée de Maïmonide, pas, vous êtes en train de construire un appartement, est-ce que vous savez que c'est un homme qui va l'habiter? Et ça, ce n'est pas la raison qui vous le dit. La raison, elle dit au contraire, essayez de la réduire au plus petit possible pour écrire construire le maximum d'appartements pour gagner de l'argent efficacement. Pas. Mais, tandis que la loi transcendante qui fait précisément, qui pense à l'ingénieur, qui est en train de penser au politicien, qui essaye de construire l'idéologie politique ou la théorie politique en pensant que c'est un homme qui va vivre à l'intérieur de cette théorie politique. L'économiste de même, du point de vue de la société aussi, pas, à tout niveau, dans le sport aussi, n'importe où pas. Dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle institution, la loi transcendante, c'est la loi morale qui fait que c'est l'homme en totalité, dans toutes ses dimensions, pas, qui doit pouvoir trouver le bonheur sans lui demander de sacrifier telle ou telle dimension sous prétexte que ce n'est pas rationnel. Mais dit Maïmonide, que l'irrationnel est faux? Qui dit que ce qui n'est pas rationnel est faux? Pourquoi vous décidez, comme une religion, que c'est la raison qui cherche la vérité? Ouais.
Quand vous avez décidé de donner sens à votre vie, respectez les parents. Mais comment voulez-vous que la raison fonde cela? Le respect des parents, c'est une droit transcendante. Mais comment la démontrer? Et aujourd'hui, vous voyez que ça fait faillite. Comment démontrer la fidélité? Vous décidez simplement que la loi de la fidélité est une loi fondamentale, pas simplement par arrangement social ou politique et économique ou psychologique ou par les stratégies ou par les différentes raisons par lesquelles on peut fonder extérieurement, intérieurement la fidélité. Mais vous avez considéré la loi de la fidélité, la loi du bien, d'une manière générale, comme une loi transcendante, ici, et que le législateur dans la société n'a plus, c'est ça le Mishneh Torah, n'a plus qu'à savoir, à tenir compte de la situation où sa société est, où l'humanité est, pour interpréter cette loi transcendante et absolue de telle manière humanisée. Et ça, la philosophie doit en tenir compte. Et le juif religieux tient compte, et c'est pourquoi le juif religieux du Maïmonide ne peut pas céder sur la révélation. Cette loi, elle s'impose à toute société. Voilà. Qui dit que c'est la majorité qui a la vérité? La raison vous le dit, bien sûr, sinon on ne peut pas vivre autrement. Mais qui dit que c'est la majorité qui est le critère de la vérité? Qui dit que c'est la majorité qui est le critère de la vérité? La vérité, elle se cherche autre chose sur une loi transcendante. Vous voyez cette réflexion que mène Maïmonide, et c'est pourquoi il dit dans le langage religieux, et ici, cette loi est divine. Et le garant de cette loi dans la société, ce n'est pas le politicien, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le politique, ce n'est pas le religieux, c'est le prophète qui est en dehors de toute institution. Parce que si vous êtes engagé dans l'une ou l'autre institution, vous êtes engagé dans une modalité d'application de la loi, mais pas devant la loi elle-même. Le prophète, lui, il ne tient pas compte des institutions, il dicte la loi quelle que soit l'institution. C'est-à-dire il est du côté de la parole divine, symboliquement, c'est-à-dire il est du côté de l'absoluité et de la transcendance de la loi qui s'impose à tous les peuples, à tous les individus. Voilà ce que Maïmonide appelle la révélation, la loi révélée. Cette loi est divine, proclamée par le prophète. Et le prophète proclame la loi orientée vers la perfection de l'homme en totalité et pas simplement pour l'une de ses fonctions, affective ou sociale ou politique ou rationnelle. Pas. La loi a pour but de permettre la vie en commun. Et cette vie en commun, ce lien social, doit tenir compte de toutes les dimensions et les fonctions de l'être humain sans sacrifice aucune, parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces fonctions. Et il ne demande pas qu'on sacrifie l'une ou l'autre fonction pour brisément mettre en valeur une fonction aux dépens des autres. Sur le plan moral, cela s'explique. Comment vous pouvez me démontrer que la liberté est supérieure à l'égalité et que l'égalité est supérieure à la sécurité et que la justice est supérieure à l'amour, ou même, comme on dit depuis 2000 ans, que l'amour est supérieur à la justice? Comment vous le démontrez? Pourquoi l'amour est supérieur à la justice? C'est une option, c'est un dogme, c'est un mystère. Mais il n'y a pas d'amour sans justice. Il n'y a pas de justice sans amour. Et donc on a ici devant un lieu spirituel transcendant, qui est la source précisément de la loi. Et le prophète, c'est le fondateur de cette société orientée vers la perfection totale de l'être humain. C'est pourquoi, dit-il, le prophète doit être philosophe. La philosophie seule ne peut pas fonder la société. Et bien, c'est ce que la philosophie politique depuis les Grecs en Occident montre. La philosophie seule ne peut pas fonder la société. Le prophète a besoin, le philosophe a besoin de la loi donnée par le prophète, rappelée par le prophète. Et l'état parfait, là, c'est l'état, c'est puis unir la philosophie et la politique. Mais ça, c'est le philosophe. Mais le prophète vient rappeler à ce philosophe, hein, qui essaie d'unir et de fonder une théorie politique à partir de sa vision du monde rationaliste, philosophique, il lui rappelle que cette raison et cette politique n'ont de sens et de vérité que si elles se présentent comme une modalité humaine de l'incarnation de la loi transcendante. Parce que la loi transcendante ne sera jamais incarnée telle qu'elle, sauf l'exception chrétienne
pour Jésus qui incarne la parole divine telle qu'elle est, qui ne divine pas. Et ça, bon, c'est la religion, dit Maïmonide. Maïmonide a beaucoup respecté le christianisme. Il, selon la loi, il interdit aux juifs d'entrer dans l'église à cause des crucifixes et à cause parfois dans les cathédrales des tombes. Et qu'il n'en supporte pas qu'il y ait une tombe dans un lieu de prière. Oui, bon, dans le judaïsme, dans le christianisme, il faut respecter ça, c'est une spiritualité. Mais ce n'est pas précisément le judaïsme. Et, mais d'autre part, Maïmonide dit, comme Judas Lévi, mais pas le seul, aussi d'autres rabbins au Moyen-Âge, qui disent qu'il faut respecter le christianisme et l'islam parce qu'ils tracent la voie messianique aussi. Et quand vous pensez que ce sont des rabbins qui disent ça au Moyen-Âge, avec tout ce qu'ils souffraient, hein, ils disent cela, oui. Il y a donc ici la mise en place donc, de cette révélation de la loi, de la transcendance de la loi, dont le philosophe doit tenir compte pour installer le lien social, comme on disait tout à l'heure. Il y a, dit-il, Maïmonide, je prends cette métaphore pour lui ou cette allégorie, il y a les hommes qui vivent dans la nuit et qui n'arrivent pas à quitter la nuit et qui ne voient dans la nuit aucune lumière. Alors, excusez-le, il dit ça, c'est la masse. Et pourtant, c'est réaliste. Il y a ceux qui perçoivent dans la nuit la lumière. Ça, c'est les philosophes. Seulement, c'est une lumière terrestre, une lumière humaine, une lumière rationnelle. Et puis, il y a les prophètes, qui sont les garants de la loi divine. Eux, ils ont quitté la nuit. Ils sont devant la loi divine. Donc, ils sont dans la lumière totale. Voyez. Il y a donc la masse, il y a les philosophes et il y a les prophètes. La loi, donc, étant une révélation, elle doit habiter la philosophie et la philosophie va l'expliciter dans les deux sens, dire quel est son sens et dire comment précisément l'incarner suivant les modalités d'habitation du monde. Il y a la connaissance rationnelle, certaine, universelle, la philosophie. Il y a ce que nous acceptons comme membre d'un peuple qui, depuis le Sinaï, avec la tradition de Moïse et des prophètes qui l'ont suivi, pose que le premier pas de l'homme, le premier point de réflexion, le point de départ de toute existence et de toute signification de l'existence, c'est la loi. Et qu'on ne peut rien construire sans la loi. Aucune identité personnelle ou collective ne peut se construire sur la loi. Et c'est la loi qui nous demande, dit Maïmonide, de faire de la philosophie pour mieux l'expliciter et trouver les modalités de son application, bien que je sache, nous sachions tous, que jamais nous l'appliquerons telle qu'elle est, parce qu'elle est transcendante. Et c'est ça le grand problème des rabbins, dans la Mishnah aussi. Il y a la loi telle que Dieu l'a dit dans la Bible, puisqu'elle est révélée. On appelle ça la mitzvah, c'est la loi telle qu'elle est, absolue. Et puis, il y a la loi tel que l'homme, par l'interprétation, par exemple, pour Maïmonide, l'allégorique, ou pour la tradition juive, le midrash, c'est autre chose, ou par les autres formes d'interprétation, il y en a quatre dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne au Moyen-Âge aussi. Mais il y a ces quatre niveaux d'interprétation, précisément, qui permettent de humaniser la loi, c'est-à-dire de la trahir d'une certaine manière pour la rendre possible. Parce que l'homme ne peut pas incarner la loi absolue telle qu'elle, et surtout éviter d'identifier la raison à cette loi absolue. La raison est limitée. La révélation est au-delà, elle a plus de valeur, elle dépasse le simple entendement humain. Les deux sources de la connaissance, par conséquent, ne sont pas contradictoires. Même si on ne peut les déduire l'une de l'autre, il y a la philosophie qui a besoin de la révélation et de la loi, parce que ce n'est pas elle qui fixe la loi, et puis il y a la loi, sans laquelle précisément, qui ne peut pas exister non plus sans la philosophie. La philosophie avec la loi transcendante et la loi transcendante qui a besoin de la philosophie. C'est un devoir pour l'homme religieux de faire de la philosophie. La philosophie dans le sens où on l'entend bien sûr, l'éclaircissement du sens et les modalités pratiques de son application. Voilà. Et il n'y a aucune contradiction. Je prends juste 5 minutes pour dire à ma manière ce que dit Maïmonide. Puisque nous sommes à 8 siècles de lui, et qu'il ne pouvait parler qu'à la manière du 12e siècle où il est né, et par rapport à l'état humain, la civilisation, en Espagne, au sud de l'Espagne, au Maroc, ou en Égypte. Pas. Ici,
Il y a en nous une exigence de la vérité. Et il y a en nous l'exigence de sens. Et le sens, ce n'est pas la vérité. Le sens est transcendant. Pas. La vérité n'est pas l'ultime valeur. Vous trouvez la vérité, vous avez cette question qui se pose toujours dans la droite ligne de Maïmonide. Qu'est-ce que je vais en faire avec cette vérité? C'est que donc la vérité n'est pas la valeur, elle a besoin d'avoir une signification. Et la vérité peut servir aussi à détruire le monde, Auschwitz. Du point de vue de la vérité, Auschwitz, c'est exactement ce qu'il fallait faire étant donné le projet barbare, hein, d'une logique atroce, barbare. Ouais. Donc la vérité n'est pas l'ultime valeur, et surtout sortir de cette illusion que les problèmes pour l'homme, c'est l'ignorance, il suffit simplement qu'il connaisse la vérité pour résoudre tous ses problèmes. Mais non, je peux savoir d'une manière absolue qu'il ne faut pas mentir et je mens. Je peux démontrer d'une manière absolue, je ne sais pas quel type de valeur qu'on me dicte, et je transgresse la valeur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas simplement la raison, il y a à la suite de la raison la volonté qui va essayer de tirer de la raison ce qu'elle a compris pour pouvoir le réaliser. Et le problème humain, c'est précisément la raison. Et la raison, la volonté, c'est-à-dire devant la loi. C'est pourquoi Dieu dit que ta volonté, fais ta volonté comme la volonté de Dieu, comme pour le pater. Que veut dire le pater, que ta volonté soit faite comme la loi? Ça veut dire qu'on me prie, une prière juive, on me prie d'identifier ma volonté à sa volonté. La raison, ben elle a ses lois. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. La raison, elle a deux de fond quatre, c'est comme ça, que je le veuille ou pas. Mais que je devienne bon, que je devienne aidant, que je m'occupe de celui qui a besoin de moi, c'est ma volonté qu'il décide. Hein. J'ai beau connaître. On ne passe pas de la connaissance à l'existence, à la réalité, d'une manière automatique. Ce n'est pas parce que vous savez que vous allez faire automatiquement. Voilà. Oui. Et donc, il y a l'exigence de vérité et l'exigence de sens. Donc, on va regarder comment l'exigence de vérité s'exprime à travers un problème et sa solution. Il y a un problème et une solution. Il y a de l'eau qui tombe du ciel. Quelle est la solution? Eh bien, c'est une évaporation, il y a le vent froid et puis ça tombe. Oui. Il y a un problème et il y a une solution. L'exigence de sens, ce n'est pas problème-solution. C'est appel, c'est désir, c'est appel. Et cet appel, il réclame une réponse, ce n'est pas une solution. À condition que cette réponse ne comble pas l'appel, comme les idéologies traversées par l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Il faut que la réponse réponde à l'appel, mais de manière partielle, qu'elle laisse jouer comme une clé dans sa serrure. Pourquoi? Parce que ce manque qu'il y a, cette absence qu'il y a, puisque la réponse ne répond pas totalement, va relancer l'histoire, va relancer la créativité et relancer le problème à un autre niveau. Si bien que l'exigence de sens est infinie. Et la dialectique, précisément, le problème de l'homme, c'est comment faire dialoguer et trouver dans cette dialectique l'exigence de vérité et l'exigence de sens. Et l'exigence de sens, c'est une valeur transcendante par rapport à la vérité. La philosophie cherche la vérité, la révélation donne le sens. Et la Torah n'est pas une Torah de vérité. Maïmonide a raison, c'est une Torah de sens. La vérité, il faut la laisser aux savants et aux philosophes. La Torah est une Torah de réalité, et la réalité humaine, c'est que l'exigence de sens est infiniment plus forte que l'exigence de la vérité. Je peux être dans le sens, je peux aider un pauvre, et je n'ai pas besoin d'être prix Nobel de je ne sais pas quoi. Et c'est dans ce sens-là que la révélation transcende la philosophie. Mais une fois que la philosophie a reconnu cette limite qui la dépasse par la transcendance de la loi morale, spirituelle, etc., parce que je dois faire, parce que ce qui doit être fait, et non pas parce qu'il est, alors la philosophie entre en jeu pour vous montrer comment il faut l'appliquer. Et c'est ce que font les rabbins dans les 63 traités du Talmud. Ils prennent la loi de la Mishnah, une loi, voilà comment tu vas lire, voilà comment tu vas faire cela, voilà comment tu vas te marier, et puis sur une ligne simplement de la Mishnah, vous avez des dizaines et des dizaines de pages qui triturent cette loi, qui cherchent à savoir quel est son sens et comment elle se fonde et comment l'appliquer et pourquoi l'appliquer comme cela plutôt que comme cela. C'est-à-dire ils sont à la recherche du sens des lois précisément dans 63 traités du Talmud, ouais, qu'on a brûlé plusieurs fois en Occident. La loi donc appelle au sens.
Et le sens est transcendant. Il est transcendant pourquoi ? Dans quel sens ? Pas encore dans le sens religieux, dans le sens de Maïmonide. Le sens, c'est-à-dire, il est transcendant. Quel que soit le sens que je vise, je le raterai toujours. Je ne peux pas vivre sans cette relation à la transcendance, mais je n'arriverai jamais à l'incarner tel quel, sauf exception chrétienne qui sépare la spiritualité juive de la spiritualité chrétienne. Ouais. Jamais Dieu ne peut être vu face à face. C'est ce que Dieu répond à Moïse quand il lui dit « Montre-toi à moi. Ouais. » L'homme ne peut pas me voir et rester vivant. Je ne peux pas vivre sans être arraché de moi-même et projeté vers un au-delà et un ailleurs de moi-même en sachant que c'est comme ça que je vais construire mon identité collective et individuelle et je sais que je le raterai continuellement et je danse de joie de le rater continuellement. Je ne me suicide pas. Je ne déprime pas. Je suis toujours à la recherche de, hein, ici, précisément. Voilà donc ici cette dialectique que Maïmonide installe entre la vérité, le savoir, la philosophie qui cherche la vérité et puis l'exigence de sens. Ce problème, l'Occident s'est réveillé à ce problème uniquement à partir du 19e siècle après les philosophes de Lumière, quand par le christianisme, la philosophie existentielle est entrée dans l'Occident, grâce aux philosophes chrétiens d'abord, Kierkegaard, etc. Oui. Oui. Tandis qu'au XIXe siècle, la philosophie était la philosophie classique, celle que connaissait Maïmonide. Ouais. Elle était classique, c'est-à-dire on cherchait la vérité. Et on pensait que cherchant la vérité, on aura résolu tous les problèmes de l'homme, ce qui était précisément une illusion. Hein. Et c'est l'illusion aussi, quel que soit les mérites extraordinaires des philosophes des Lumières, c'est ça l'illusion des philosophes des Lumières, qui ont finalement pensé que l'homme était un loup pour l'homme, c'est pourquoi il fallait une loi pour défendre, et c'est pourquoi il faut quelqu'un de garant du fonctionnement de cette loi pour que je puisse sortir à 2h du matin et puis ne pas risquer d'être tué et retrouver ma voiture le lendemain. Il faut un gouvernement qui intervienne parce que je ne peux pas me faire justice moi-même. Me faire justice moi-même, c'est mettre en faillite la société. Mais non, le principe du judaïsme, c'est pas l'homme est un loup pour l'homme. Ouais. C'est que l'homme, non pas un loup pour l'homme, l'homme a peur de l'homme. Non, l'homme, dans la tradition juive, a peur pour l'homme. L'homme a peur pour l'homme, pas de l'homme. Il a peur que l'aventure humaine échoue après l'aventure animale et l'aventure végétale. Il a peur que l'aventure humaine échoue. Hein. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle précisément l'universel à la manière de la Torah. Ouais. Je voudrais simplement attirer votre attention sur deux points. J'ai dit tout à l'heure l'allégorie, hein, que le Midrash n'est pas l'allégorie. Là, la limite de la philosophie de Maïmonide, mais c'était la philosophie aristotélicienne au Moyen-Âge, aujourd'hui elle est dépassée, surtout par la philosophie existentielle et existentialiste pour les athées précisément. Non. L'allégorie n'est pas pourquoi ? Pour l'idée suivante, n'est-ce pas ? L'allégorie, je ne sais pas, par exemple, l'allégorie de Platon, mettons là, l'allégorie de Platon. Il y a la caverne, et puis il y a des prisonniers, ils sont attachés par les chaînes, et puis ils voient les ombres, il y a la lumière derrière, ils ne savent pas qu'il y a une lumière derrière. Il y a des gens qui passent derrière, et puis la lumière projette l'ombre de ces gens sur la paroi de la grotte, et puis les gens, comme ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas se retourner, et puis ils croient que la réalité, c'est les ombres, et puis ils font la science des ombres, tiens, il y a un animal, toujours le même, donc on appellera chien. Et puis tiens, il y a que là, ça c'est l'homme, mais il y a des hommes, on appellera ça les hommes, on appellera ça la bouteille, on appellera ça la table, etc., mais c'est des ombres. Hein. Et puis quelqu'un... Bien sûr, il se déchaîne, il enlève sa chaîne, et on ne sait pas pourquoi. Et puis il se retourne, il voit qu'il y a la lumière derrière. C'était la lumière d'une bougie. Mais il sort de la grotte, il voit que la véritable lumière, c'est le soleil. Ça, c'est vous avez compris l'allégorie, ben, vous n'avez pas besoin de cette allégorie, c'est fini, vous avez compris le sens. Ça, c'est l'allégorie. Le danger de l'allégorie, c'est quand vous comprenez le sens, l'enseignement, la vérité qu'elle vous transmet, vous n'avez plus besoin d'elle, c'est fini. Tandis que la parole de la Torah dit Maïmonide... n'est pas comme, c'est l'exemple qu'il donne maintenant cette fois-ci, moi j'ai pris l'exemple de Platon, maintenant lui dans cet exemple, ne fait pas comme l'étudiant en médecine qui, lorsqu'il a fini d'étudier son manuel de médecine de telle ou telle année et qu'il l'a appris par cœur et qu'il l'a pratiqué, il le connaît, il n'a plus besoin de ce livre, il le jette, c'est fini. Non, parce qu'avec la Torah précisément, par l'interprétation, vous ne la jetterez jamais, vous revenez, vous découvrez d'autres interprétations, et vous découvrez d'autres interprétations, et vous découvrez d'autres interprétations. Pourquoi ? Parce que vous n'avez jamais fini d'humaniser la loi et la voie qu'elle vous donne.
parce que c'est vous qui changez par rapport à la Torah, ici. Seulement, c'est la méthode allégorique, ce n'est pas la méthode du Midrash, car le Midrash respecte davantage la recherche infinie. L'allégorie, encore une fois, elle a ce danger, comme chez Philon, comme chez Maïmonide. Une fois que vous avez compris l'idée portée par le mot, vous n'avez plus besoin du mot, vous avez compris ce qu'il y a dans le mot. Non. Le Midrash est inépuisable. Vous cherchez aujourd'hui un sens. Comme vous êtes installé d'une manière différente et vous habitez d'une manière différente le monde, ça va vous obliger à remettre en question ce sens pour lui trouver un autre sens. C'est le sens du sens. C'est le sens du sens. C'est ça qu'on appelle l'ouverture à l'infini. Et c'est ça la foi. L'ouverture à l'infini. Précisément. Donc le Midrash est beaucoup plus riche que l'allégorie chez Philon ou chez Maïmonide. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est la remarque beaucoup plus... Je termine sur la remarque plus forte, moi, à mon avis. C'est que l'effort génial de Maïmonide, hein, d'obliger les religieux à réfléchir, ben, et accepter de s'affronter aux problèmes posés précisément par la Torah et par la philosophie ou la science aujourd'hui, même, c'est le même problème. Hein. Le problème, c'est que c'est lui qui a transformé finalement, et il ne pouvait pas faire autrement, le judaïsme en religion. C'est lui qui a transformé le judaïsme en religion, et nous sommes dans la religion, et moi je ne sais pas ce que veut dire religion, je suis juif, pas. Et comme vivre dans un peuple, c'est avoir des mœurs et des coutumes et des lois, eh bien mon peuple aussi juif, il a ses coutumes et ses... Et pourquoi on me demande de justifier et de dire pourquoi je ne fais pas comme les autres? Non, pas. Je vis en France. Et la France, ça veut dire un type de culture, un type d'habitation, un type de musique. Malheureusement, elle disparaît de plus en plus. Un type de musique, de culture. La culture française est là. On ne peut pas dire que la culture française, c'est rien. Bien sûr, il y a un pluriculturalisme là. Bien sûr, il y a plusieurs manières, et la France s'est enrichie des tas d'autres cultures, des tas d'autres valeurs. Ça, c'est une vérité historique, indubitable. Mais il y a ce qu'on appelle l'âme française. Il y a une culture française qui se diversifie à travers ces cultures. Mais sinon, c'est une foire. C'est-à-dire, les cultures s'opposent et la guerre commence. Ben, il faut savoir, quand on arrive à un pays, qu'il a une âme, qu'il a sa culture, qu'il a son histoire, qu'il a sa manière de penser le monde. Et ceci dit, il est prêt à enrichir et à recevoir de vous tout ce que vous voulez, à condition de ne pas trahir les principes fondamentaux de cette culture. Elle existe, cette culture. Aujourd'hui, il faut le répéter, n'est-ce pas? Et ce n'est pas du racisme. Pas. Personne, aucun pays n'a été aussi ouvert que la France. Et c'est sa noblesse. Et il faut qu'elle le continue. Ceci dit, la France, c'est la France. C'est une culture. Elle s'enrichit de toutes les autres cultures, oui. Donc, elle a ses lois, elle a ses coutumes. Et bien, de même, l'Amérique aussi, elle a ses coutumes, ses lois. L'Espagne a ses cultures, ses lois, ses mœurs, ses coutumes. Et le peuple juif, il a aussi ses lois, ses mœurs, ses coutumes, la cacheroute, le shabbat, etc. Pourquoi on met en question ces lois sans lesquelles une culture ne peut pas exister? Comme si, quittant les lois d'une culture, je m'étais débarrassé de toutes les lois, quelles qu'elles soient. Mais pas du tout, je vais dans une culture. Nous, Français, on va en Amérique. Si on décide d'habiter l'Amérique, on est obligé d'apprendre l'américain, d'apprendre la civilisation américaine, etc. D'ailleurs, en Amérique, il faut passer 5 ans, je crois, à étudier la culture américaine pour qu'on vous donne la naturalisation. Donc, ici, et ce n'est pas contradictoire, encore une fois, ici. Alors, le problème est le suivant. C'est que quand vous utilisez la raison pour l'appliquer à un domaine existentiel tel que l'homme dont parle la Bible ou dont parle l'Évangile, quand vous prenez la raison et vous voulez l'appliquer à un objet ou un sujet, ouais, par exemple pour l'homme existentiellement, ben, la raison est obligée de traiter cet objet que vous lui donnez. Elle va analyser et manger et réduire dans l'objet que vous lui donnez ce qui est rationalisable. Et ce qui n'est pas rationalisable, elle le rejette. Ouais. Donc la raison elle-même est limitée dans son contenu. Deuxièmement, elle fonctionne d'une manière dogmatique. C'est ça aussi la limite, dit Maïmonide, de la raison et de l'entendement humain. Il y a une limite. Quelle est la limite de la raison? La raison n'est pas infinie. Pourquoi? Parce qu'il faut lui donner le premier pas. Le premier pas, il ne peut pas vous le donner vous-même. Donnez-moi la droite et vous allez voir ce que vous m'avez donné. Le triangle, etc. Puis je vais déduire toutes les mathématiques. Mais pourquoi vous me donnez la droite? On appelle ça le dogme, le postulat. Donc la structure rationnelle est dogmatique. Vous lui donnez le premier principe qu'on appelle postulat ou l'axiome, comme vous voulez.
Et à partir, la force de la raison prise moi extraordinaire, c'est que vous ne savez pas ce que lui avez donné. En lui donnant ce que vous lui donnez, qu'elle ne peut pas, ne peut pas démontrer, elle va déduire toute une science de ce que vous lui avez donné implicitement, oui, explicitement. Donc prenez la raison structurée, cette structure de la raison. Vous l'appliquez à n'importe quel objet, elle va construire l'objet dogmatiquement. Et c'est ce que fait Maïmonide. C'est ce que font tous les philosophes juifs du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on en est sorti, heureusement pas. Oui. Avec les maîtres aujourd'hui dans le, juifs dans le monde, au 19e siècle, 18e siècle, etc., oui, bien sûr. Mais avec la culture médiévale dans laquelle vit Maïmonide, aisément, utilisant la raison et voulant exprimer dans le guide des perplexes, oui, les vérités, les lois, ou la lecture de la Bible, ici, voulant l'exprimer à travers la raison pour essayer de répondre à cette double impossibilité que j'ai signalée tout à l'heure, j'ai définie tout à l'heure, eh bien, la raison va vous transformer la Torah et le judaïsme et le christianisme en théologie, en dogme et en mystère. Mais il n'y a pas de dogme dans le judaïsme. Vous cherchez la vérité, il y a un dogme. Vous êtes dans le sens, il n'y a pas de dogme, le sens. Vous décidez de respecter les parents. Quel dogme il y a? Vous entrez dans le langage biblique ou le langage évangélique aussi. Vous entrez dans l'alliance. Ce n'est pas un acte de volonté, c'est ça qu'on appelle la foi. Vous entrez dans l'alliance. Je veux donner un sens à ma conduite en cessant de voler, de tricher, etc., en m'occupant du pauvre, de l'aveugle, de l'orphelin et de l'étranger. Mais ce n'est pas une raison, ça. Vous entrez, vous n'entrez pas. Vous entrez par une décision de la volonté. Ce n'est pas un dogme, c'est une foi. Une foi qu'un jour, les hommes comprendront que tous doivent faire cela, s'occuper de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de partage, de la sécurité, de la liberté, aimer le prochain comme soi-même. Tout cela, c'est un monde du sens qui vous permet de donner sens à votre conduite individuelle et collective. Ce n'est pas du dogme, mais appliquer de la raison à ce monde existentiel de la Bible, eh bien, vous allez transformer la Bible en théologie. Et alors donc, il faut croire dans ce dogme. Il faut croire dans la loi, il faut croire dans... Non, pas. Non. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, d'arracher pour nous intérieurement de l'esprit des Juifs, du crâne des Juifs, que le judaïsme est une religion. Ce n'est pas une religion, c'est un peuple. Et c'est un peuple en exil ou ailleurs, c'est un peuple qui a sa culture, qui a sa vision du monde, sa définition de l'homme, son rôle au sein des autres peuples qui ont aussi leur fonction et leur culture aussi respectables. Mais je ne veux pas que mon peuple disparaisse, comme je ne veux pas que la France disparaisse, comme je ne veux pas que les cultures qui apportent au monde disparaissent, tout simplement. Mais je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de religion là-dedans. Il n'y a pas de dogme, c'est un acte de volonté, et s'il y a une foi dont il faut parler, c'est la foi dans l'homme. Mais je ne peux pas douter de la loi, elle est transcendante. Sans la loi, je ne peux rien faire. Sans la parole divine, je ne peux rien faire, ici. Et c'est pourquoi Maïmonide termine en bouclant sa lutte contre la théologie d'une certaine manière, en vous disant la meilleure théologie, c'est la théologie négative. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce que Dieu n'est pas. Mais vous dites que Dieu est, vous mentez. Vous ne savez pas ce que vous dites et vous ne l'avez jamais rencontré. Mais ce qu'on peut dire, théologie négative. Dieu n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas. Et c'est comme ça que vous luttez contre l'idolâtrie ou contre les fausses représentations que vous faites de Dieu. On appelle ça la théologie négative. Mais avec une signification ajoutée par la tradition juive, hein. Si Dieu n'est pas cela, ça veut dire que pour moi non plus aussi, je dois n'est pas. Et donc ce qu'on dit de Dieu, il vaut pour l'homme. Hein. Et si Dieu n'est pas et qu'il me laisse précisément tout cet espace dont il s'est retiré pour que je puisse exister, c'est pour me pousser à ma responsabilité devant la loi avec un L majuscule. C'est pourquoi quand il crée l'homme, la première parole qu'il lui donne, c'est la loi. L'homme ne peut pas se construire sans cette loi. Et notre problème avec la philosophie, précisément, et le Midrash, ou l'allégorie, peu importe ici, mais beaucoup plus avec le Midrash, c'est de voir que la loi dictée par Dieu absolue, la loi divine qui est absolue en elle-même, elle est absolue, elle est infinie, est impossible à porter par l'homme. Alors il nous faut des interprétations pour l'humaniser. Sur ce chemin, le christianisme, pour nous, a poussé loin. Loin, c'est positif, je respecte. C'est-à-dire, il va plus loin. Il pense qu'un jour, cette course après l'infini s'arrêtera parce qu'il y a quelqu'un, Jésus, qui a 2000 ans, a montré que l'homme peut incarner la parole divine absolue.
ce qui est encore à voir, et voir si vraiment Jésus a dit cela, si ce n'est pas la théologie de l'Église au Moyen-Âge, à travers les conciles, qui l'a construite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Armand. Je vais laisser tout de suite la place aux questions, si certains veulent poser des questions, avec une seule exigence, s'il vous plaît. Attendez bien d'avoir le micro pour prendre la parole, pour que tout le monde vous entende. Bonsoir, merci pour la très belle conférence. Je voulais savoir quel était le lien que Maïmonide avait avec le Midrash. Il cite les Midrashim, mais il les interprète allégoriquement. Sur ce chemin, le Maharal est allé plus loin. Le Maharal de Prague au XVIe siècle aussi a réhabilité le Midrash en l'interprétant, mais en respectant le Midrash. Maïmonide l'interprète allégoriquement. La lecture qu'il a de la Bible, les anthropomorphismes, ce qui est irrationnel, apparemment, Maïmonide se limite à l'allégorie pure dans les 49 premiers chapitres. Tandis que le Maharal va plus loin, il ne cherche pas au XVIe siècle à répondre à l'exigence rationnelle comme Maïmonide, mais à l'exigence existentielle. C'est le sens pour une existence et pas le sens pour la raison qui est précisément la vérité. Le sens de l'existence n'est pas le même que le sens de la raison. La raison connaît le sens, mais le sens à la manière dont la raison le comprend, c'est-à-dire la cohérence. Vous dites A égale B, B égale C, donc A n'est pas égal à B. Vous dites la conclusion est absurde. Ça veut dire que le sens du raisonnement, c'est qu'il garde la cohérence. Donc la raison connaît le concept de sens, seulement elle le comprend dans le sens de la cohérence. Or, le sens de l'existence n'est pas seulement la cohérence. Le sens de l'existence, c'est juger si la vie vaut la peine de vécue ou pas. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ou pas? Quel sens je donne à mon mariage, quel sens je donne à ce statut que j'ai pris en me mariant, époux? Quel sens je donne en étant époux de décider d'avoir des enfants, je suis passé au statut de père? Quel sens je donne à la paternité, à la filialité, à la fraternité? Et ces statuts par lesquels l'homme passe posent le problème du sens, pas de la vérité. Ceci dit, j'ai besoin aussi de la vérité pour mieux appliquer le sens qui la dépasse. Et le Midrash cherche le sens. Il ne cherche pas la vérité. Maïmonide cherche la vérité. Et c'est la raison qui l'oblige à cela. Ce que je disais tout à l'heure, vous appliquez la raison à un texte biblique et vous allez aboutir à la théologie. Moi, je ne crois pas que Moïse était théologien. Moi, je ne crois pas que Jésus était théologien. Je ne sais pas ce que c'est. Vous vous rendez compte, théologien, un logos sur le théos. Un langage rationnel sur Dieu. Vous vous rendez compte comme c'est aberrant? Que veut dire un langage rationnel sur Dieu? Ça, c'est la théologie qui le fabrique. Ouais. Un logos, pas. Non. Non, c'est la question du sens qui est la question fondamentale. Et la Torah, c'est la voie du sens, c'est pas la voie de la vérité. Ouais. Maintenant, ceci dit, si je cherche la vérité, c'est pour mieux appliquer le sens et réfléchir et comprendre davantage ce que veut dire le sens. Et ça, c'est difficile, très délicat, à faire la différence entre la vérité et le sens. La vérité, vous voulez chercher la vérité de cet objet, vous voulez savoir ce qu'il est, de telle manière que ce que vous pensez qu'il est correspond à ce qu'il est. Et c'est ça qu'on appellera la certitude. La certitude, c'est quand la vérité rationnelle, mathématique, le langage de la science, correspond à ce qui est. Mais comment voulez-vous savoir si vraiment ça correspond à ce qui est? Je dis toujours, quand vous faites, le savant fait une expérience, et l'expérience réussit, et donc ma théorie est vraie. Non. Non. Là, vous faites de la métaphysique. Vous faites l'expérience à partir d'une théorie pour mettre à l'épreuve vos théories. L'expérience réussit. Tout ce que vous pouvez dire, si vous voulez rester dans la science, c'est que le monde peut être exprimé dans le langage de la théorie que j'ai fabriquée mathématiquement. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il est rationnel. Comment vous savez si le monde est rationnel? C'est pas parce que l'expérience réussit que c'est vrai. Vous voyez? Le monde, tout ce que le savant peut dire, c'est que ma théorie, puisque l'expérience réussit,
c'est que le monde peut se plier à mon discours. Donc il y a un discours scientifique possible du monde qui m'échappera toujours, hein, ce monde. Je sais pas ce qu'il est en lui-même. Comment vérifier ? Pour vérifier, il faut que je sorte de ma théorie rationnelle, il faut que je sorte de la réalité pour vérifier de l'extérieur si ça correspond pour avoir la certitude. Mais vous voulez aller quand vous sortez de vous-même ? Vous voulez aller ? Donc tout est humain, tout est discours, ben, mais pas dans le sens psychanalytique seulement, ben, tout est discours. Que veut dire tout est discours ? Que vous voyez le monde comme le discours qu'on vous a appris. Je cite toujours un exemple simple, très farfelu, très simple. Je le citais à mes étudiants, on y réfléchit, mais là, c'était, on réfléchissait beaucoup plus dessus. Hein. Vous voyez, vous descendez dans l'eau, vous nagez, et puis vous arrivez dans l'autre bord. Alors, regardez, si vous êtes français, vous dites, je nage, je traverse la rivière à la nage. Voilà, voilà, vous avez un langage. J'étais en train d'exprimer une réalité et la transposer dans le langage. Et la France vous dit, je traverse la rivière à la nage. L'anglais vous dit, I swim across the river, je nage à travers la rivière. Alors, qui a le mieux traduit la réalité ? Qu'est-ce que j'ai fait en réalité ? Est-ce que c'est l'anglais qui a raison ou le français ? C'est simplement, je montre que le monde peut être dit en anglais, que le monde peut être dit en français, vous voyez ici. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde de la vérité. C'est ça, le monde de la vérité, précisément. Mais le monde du sens, encore une fois, c'est un désir, une exigence, comme je disais encore une fois, une exigence de sens, donner sens à ma vie individuelle et collective, quoi, mais à toute mon existence, juger si la vie vaut la peine d'être vécue ou pas, précisément. Ça ne regarde pas la vérité. Ça dépasse la vérité, pas. On ne se suicide, je ne crois pas qu'on puisse se suicider parce qu'on n'a pas la vérité. On se suicide parce qu'on trouve l'existence absurde. On n'a pas la vérité, bon, on n'a pas la vérité, il n'y a pas de problème. Pourquoi je vais sacrifier ma vie ? Mais dire que ma vie est absurde, ça c'est plus qu'angoissant. Parce que c'est tous les instants que je me pose ces questions. Alors ça fait pour répondre précisément que Maïmonide interprète par l'allégorie le Maharal au XVIe siècle qui va réhabiliter le Midrash et se poser le même problème avec le même langage aristotélicien, le Maharal au XVIe siècle, il exprime, il traduit, il interprète la Torah et le Talmud aussi, les Midrashim, à la manière aristotélicienne. Mais seulement, il reste fidèle au Midrash et il utilise le langage aristotélicien pour lui faire porter le sens. Et il le dépasse de ce point de vue-là. Et je crois que le travail du Maharal de Prague va beaucoup plus loin du point de vue du Midrash que Maïmonide, pas, qui est resté dans l'allégorie. Ouais. Oui. 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 Moi, au vu de ce que vous nous dites ce soir, j'ai un vrai problème. Quand on commence à découvrir un peu Spinoza, qui, lui, décide qu'aucune interprétation n'est envisageable et qu'il faut se contenter seulement d'être un observateur. Oui. Et je suis très bouleversé parce que Spinoza a fait vivre des situations très compliquées, même à la naissance de l'État juif, oui, puisqu'on voulait le réhabiliter. Oui. Bon. Avez-vous une explication au travers de Maïmonide et de Spinoza ? Peut-être que c'est très... Oui, Spinoza a été exclu de sa communauté, oui. Pas du judaïsme en général. Hein. Il a eu un problème avec sa communauté, oui. Ça, c'est clair, oui. Sa communauté, bon, il avait des problèmes. Hein. Et d'une certaine manière, la communauté a eu raison. Hein. Elle a été méchante, mais on aurait pu agir d'une autre manière. Mais le problème qu'il a posé à la communauté était grave. Il continue aujourd'hui à être grave. C'est précisément la négation de la transcendance de la loi dans le sens de la Bible. Et pour Maïmonide et pour Spinoza, il y a une transcendance de la loi, mais qui est la loi de l'être, la loi de ce qui est. Pour Maïmonide, c'est la loi de ce qui doit être. Et ce qui doit être est différent de ce qui est. Il y a une transcendance, comme on dit tout à l'heure, la loi. Ce qui doit être, vous ne pouvez pas le tirer de ce qui est. Ce n'est pas parce que c'est, vous ne pouvez pas tirer, dans mon langage, vous ne pouvez pas tirer un impératif d'un indicatif.
Ce n'est pas parce que c'est que ça doit être. Et Spinoza a nié l'originalité transcendante de ce qui doit être, qui ne peut pas être tiré de ce qui est. Et il va dans le sens de la philosophie essentialiste, grecque précisément, oui, jusqu'à la philosophie essentielle, qui dit précisément, si je veux savoir ce que je dois faire, je vais d'abord commencer par voir ce que je suis. Je vais tirer ce qui doit être de ce qui est. Je vais donner un exemple grossier. Ben, un chien se présente à moi et dit, je vais passer le bac. Oui ? Je vais lui dire, à la manière de Spinoza, étant donné ta nature de chien, tu ne peux pas passer le bac. Tu es déterminé par ta nature, ben, ici. Et donc, ça signifie que, comme les Grecs anciens, ils attendent de voir quel est le bien de l'homme. Et quel est le bien de l'homme pour savoir quel est son bien. Et c'est logique, n'est-ce pas? Mais c'est en dehors de la Torah ici, ou de la tradition. Pas pour savoir quel est le bien de l'homme, il faut savoir ce qu'est l'homme. Sinon, comment tu vas faire son bien? Or, l'homme est une raison. L'homme, c'est la raison. Ce n'est pas l'affectivité. Ce n'est pas les instincts, ce n'est pas les tendances. Pas. L'homme, c'est la raison, l'affectivité, les instincts, l'imagination. Ce n'est pas l'imagination non plus. L'homme, ce qui définit l'homme par rapport à l'animal et à tout le reste, c'est la raison. Et comme la nature de l'homme, c'est la raison, il faut que ta conduite soit rationnelle, précisément. Il faut que tout ce que tu fais soit cohérent avec ce que tu es. Tandis que quand j'affirme la transcendance de ce qui doit être par rapport à ce qui est, je ne peux pas tirer ce qui doit être de ce qui est. Ce n'est pas parce que c'est que ça doit être. J'ai dit toujours cet exemple très simple à la peine ici de faire de la grande philosophie. Vous présentez votre fils pour qu'il ait des cours de mathématiques en plus, et le professeur que vous prenez en plus vous dit « Votre fils n'est pas doué en mathématiques, mais il est spinoziste. » Mais justement, c'est parce qu'il n'est pas doué en mathématiques que je vous le confie à vous. Pour lui donner ce qu'il ne peut pas produire par lui-même, mais qu'il peut recevoir. On appelle ça la transcendance. Ça, Spinoza, on appelle ça la transcendance. La transcendance, c'est-à-dire la révélation. C'est ça exactement, concrètement, la signification première. Ce n'est pas la seule dans la Gemara, dans le Talmud. Mais c'est la première signification de la révélation. C'est-à-dire que ce que je dois être n'est pas tiré de ce que je suis. Mais ce que je dois être, même si je ne peux pas le produire par moi-même, je peux le recevoir. C'est ça qu'on appelle la transcendance. Ce n'est pas moi qui produis, je reçois de l'excès. C'est pourquoi l'éducation est tellement difficile. Pourquoi nous avons tellement fait souffrir nos parents et maintenant nos enfants se vengent sur nous? C'est parce qu'il faut qu'ils intériorisent une loi. Ils voudraient, eux, faire la liberté, c'est la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire, papa, maman. Non, la liberté... c'est la possibilité de faire ce qu'on doit faire. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire quelque chose, ce n'est pas parce que tu désires que ton désiré est désirable en soi. Mais ton désiré, le désiré n'est pas désirable. Le désiré est séparé du désirable par une transcendance, un abîme de Reims. Et donc tu vas juger ton désiré par rapport à ce désirable, la révélation, la loi. Et c'est cette loi qui va te dire, si tu peux jouir de ton désiré, c'est kasher. Et s'il faut refouler ses désirs ou le sublimer, le faire d'une autre manière, ne pas le réaliser, et ce n'est pas cachère. Voilà. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de religion là-dedans. Mais n'est-ce pas que la Torah est en train de nous parler de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de religion là-dedans, pas? Oui. L'athée, il est toujours athée du Dieu qu'on lui a mis dans le crâne, mais qui dit que c'est ça véritablement la relation à Dieu. Oui, ici. Et alors ça, Spinoza, n'est-ce pas? Et il faut connaître l'être pour savoir quel est son bien. Mais non, pas. Il s'agit d'une relation de transcendance, la loi à laquelle j'obéis, elle est hétéronome, elle n'est pas autonome. Elle est hétéronome, elle vient de l'extérieur. Et cette loi n'est pas une loi de la raison, elle est en moi la raison. Cette loi n'est pas une loi de la société, je suis un être social. Ce n'est pas une loi de l'économie, ça c'est aussi. Ce n'est pas une loi politique, ce n'est pas une loi physique, ce n'est pas une loi astrale, ce n'est pas la loi de la nature. C'est une loi morale, spirituelle, transcendante, révélée, c'est-à-dire qui ne vient pas de ce qui est, elle vient de l'extérieur de ce qui est. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu, le récit biblique le dit explicitement, il crée le monde par 10 paroles,
Et puis il s'aperçoit que ces 10 paroles vont pour le monde, c'est la loi de la nature, la loi de l'ordre de la nature, oui. Et puis il revient 26 générations, excusez-moi pour revenir, il revient 26 générations plus tard et il dicte 10 autres paroles qui n'ont rien à faire avec les premières paroles. C'est Amar et Davar, les 10 paroles du Sinaï, c'est les paroles qui disent ce que tu dois être et que tu ne peux pas produire par toi-même. Ce n'est pas toi qui dictes la loi ici. Le désiré n'est pas le désirable. Et c'est cette conscience que l'homme doit avoir. Je ne vois pas ce qu'il y a de religion là-dedans. Ce n'est pas ce qui est qui me dit ce que j'ai à faire. Ouais. Excusez-moi, c'est mon tempérament, monsieur. Hein? Mais justement, la loi te dit de lutter contre ton tempérament. Pas. Ah, il a tué un homme. Ah, vous savez, il a tué, il a volé, il a brûlé une voiture. Eh ben, c'est comme ça l'ordre de la nature. Il est chômeur, il n'a pas été bien éduqué. Ça ne veut pas dire que ces conditions ne sont pas des conditions, mais ce n'est pas des causes. C'est un homme libre qui a fait ça. Quand il brûlait la voiture, il savait qu'il était en train de brûler la voiture. Il savait qu'il ne fallait pas la brûler. Il n'a pas fait ça en étant somnambule. La nature ne l'a pas poussé comme ça. C'est que simplement, il n'a pas compris ce que veut dire la transcendance, qu'il avait envie, il désirait, mais la loi morale lui dit « La voiture n'est pas à toi, tu ne la touches pas, s'il te plaît. » Ben, il n'a pas été éduqué à cela. C'est vrai, ça, c'est les conditions. Mais il reste quand même coupable. Il reste quand même coupable. Oui, c'est très, très important, ça, par rapport à Spinoza. Et d'une manière générale, pas il faut le... Pardon. Oui, c'est à propos de la réception du message de Maïmonide en son temps et aujourd'hui. Parce que je m'étonnais dans une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec un rabbin Lubavitch, à quel point Maïmonide, on va dire, aimé actuellement. Ouais. Et je me demandais comment il pouvait y avoir un tel écart entre la réception de l'époque et puis cette réception d'aujourd'hui. Et peut-être que je l'ai trouvé dans la réponse que vous, dans l'affirmation que vous avez faite tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est votre interprétation. C'est Maïmonide qui a transformé le judaïsme en religion. Oui, mais oui. C'est-à-dire en dogme. Un dogme, alors que dans le judaïsme, il n'y a pas de dogme. Le dogme, c'est-à-dire, ça vient de la raison, encore une fois, c'est la construction de la raison. C'est la raison qui est dogmatique. Et elle ne peut pas avoir le premier pas. Il faut lui donner le premier pas. Voilà, c'est important. Tandis que dans le monde du sens, il n'y a pas de premier pas. C'est votre volonté. Vous décidez de donner sens à votre sexualité en vous mariant, ou vous décidez que non, mais c'est votre conduite. Il n'y a pas de dogme. C'est un acte de volonté libre. Vous décidez, une fois il faut, avoir des enfants parce que vous donnez un sens, non pas parce qu'il faut que l'humanité continue, parce que l'humanité en ce moment, elle est dans toutes les raisons de ne pas avoir des enfants, ouais. Mais pour autre chose, parce qu'il y a à faire le pari que l'homme est éducable. Il y a à faire le pari que l'homme est éducable. Et comme on ne termine pas, ben je veux après ma mort que mes enfants continuent à s'éduquer dans cette voie-là de la transcendance et de la... Voilà. Et ce sens que vous donnez à toute votre conduite, quelle qu'elle soit, elle n'est pas dogmatique. C'est votre décision de donner sens à votre conduite de cette manière-là. Et le dogme, il est du côté de la vérité, il n'est pas du côté du sens. Et la Torah, c'est le monde du sens. La question toujours du Talmud sur n'importe quoi, c'est Mataram, quel est le sens, quel est le sens. Jamais quelle est la vérité. Mataram, quel est le sens, quel est le sens, quel est le sens. Voilà. C'est la question fondamentale. La Bible dit cela, quel est le sens, ouais. Ouais. Et le sens, c'est le sens, encore une fois, de l'existence. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ou pas? Est-ce que le mariage a un sens? Est-ce que la paternité a un sens? Est-ce que la Torah a un sens? Oui, sûrement. Là. Mais de la même manière, je pose la même question du point de vue au frère chrétien, sur le point de Kassim. Vous pouvez lire, comme Maïmonide disait tout à l'heure, on me dit que Jésus a multiplié les poissons, il a multiplié les pains, il a réussi à Lazare, il a... Eh bien oui, bien sûr, parce que c'était le Fils de Dieu. Mais ça, c'est la nuit, ça. Ça, c'est pas la lumière. C'est même pas la lumière dans la nuit. Ouais. C'est la nuit obscure. Le problème, qu'est-ce qu'on veut me dire en me disant cela? Et même à la limite, qu'il l'ait fait ou pas,
Qu'est-ce qu'on veut me dire en me disant cela ? Maintenant, ceci dit, l'homme religieux dira, voilà, il l'a fait véritablement, il sait pourquoi. Mais pour recevoir ce sens dans ces, ce qu'on appelle les miracles de Jésus, mais là, je n'ai pas besoin d'être religieux, ça a un sens, ça s'impose à moi en tant qu'être humain, que je sois chrétien ou pas. Ça a un sens, ouais, ici. Mais non, parce que, vous voyez la religion, parce que si jamais Jésus ne fait pas de miracles, eh bien, il ne peut pas être fils de Dieu. Il est fils de Dieu, la preuve, il a fait des miracles. Ben, c'est une religion lamentable. C'est-à-dire, on est dans la nuit. Mais le problème, qu'est-ce qu'on veut me dire en me disant cela ? C'est ça qui est là, etc. Et c'est ça que Freud a compris. Tu dis cela, mais tu ne sais pas ce que tu essaies de dire à travers ce que tu dis et qui t'échappe. Alors que ce que tu essaies de dire, il est d'une certaine manière dans ce que tu dis, mais tu n'as pas conscience, ce n'est pas arrivé à ta conscience. Ben ça, il a vu ça chez son professeur d'hébreu quand il lui a enseigné la Torah. Et puis il a dit, pourquoi ne pas transposer ce midrash, cette interprétation, la recherche du sens. L'interprétation, c'est la recherche du sens. Pourquoi le transporter au lieu de le laisser dans un texte? Pourquoi le mettre sur l'appareil psychique et voir ce qui se passe? Puisque l'appareil psychique aussi, c'est un parchemin sur lequel s'inscrivent les choses depuis que je quitte le ventre de ma mère, ou même dès le ventre de sa maternelle. Vous voyez? Et c'est ça la crise de la civilisation. Pas. C'est que l'homme n'a plus conscience de la responsabilité qu'ils ont à travers le sens qu'ils doivent donner à leur manière d'habiter le monde. Qui change continuellement. C'est pourquoi il faut la réinterprétation. Et on n'adapte pas, n'est-ce pas ? J'ai horreur du mot adapter. Pas. Que veut dire adapter la Torah au monde moderne ? Ça veut dire que le monde moderne est supérieur à la Torah. Ils font que la Torah s'adapte au monde moderne, mais il faut me montrer que le monde moderne est parfait. Non. Il faut actualiser la Torah. Pas l'adapter. L'actualiser par l'interprétation. Alors, il y a l'interprétation allégorique, il y a l'interprétation du Midrash, il y a l'interprétation, je ne sais pas moi, des tas d'interprétations que tous les rabbins ou tous les théologiens au Moyen-Âge, dans le christianisme aussi, ont produites. Mais on interprète parce qu'on sollicite le texte pour pouvoir répondre à la question qui se pose à moi, et que donc, dans la situation spatio-temporelle où je suis, parce que je vais donner sens à ma vie. Je vais le faire à l'intérieur de ma culture, parce que je ne veux pas que ma culture disparaisse, et je vais savoir comment résoudre la problématique dans laquelle je suis depuis que mes parents m'ont fait naître dans ce monde-là et qu'ils ne connaissent pas. Hein? Voilà. C'est la question du sens, c'est la question de l'homme essentiellement, individuellement et collectivement. Oui. Par rapport à l'hétéronomie de la loi, qui est extérieure à l'homme, on dit que Abraham pratiquait déjà la Torah. Donc je voudrais savoir ce que ça peut vouloir dire. Et voilà déjà. Oui, bien sûr, il ne veut pas. Mais non, si vous voulez me faire dire qu'Abraham mangeait kasher, non, sûrement pas. Qu'il observait Shabbat, non. Non, mais qu'il pratiquait la loi alors qu'il ne l'avait pas encore reçue. Et d'autre part, par exemple, Manitou disait toujours que. Ouais. Que Dieu avait donné la loi à un peuple qui était apte à la recevoir. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y avait, il y a l'hétéronomie de la loi, mais il y a aussi quelque chose d'intrinsèque à ceux qui l'ont reçu. Alors quand on dit dans le Midrash que Abraham a reçu, il appliquait la Torah, ils ont sur quoi s'appuyer, comme disent les rabbins. Parce qu'il y a un verset qui dit Abraham a obéi Hukotai Mishpatai, c'est-à-dire toutes les catégories de lois. Qui n'ont de sens que par rapport à la Torah plus tard révélée au Sinaï. Abraham, lui, on lui donne déjà les catégories, il connaissait les différentes catégories. Bon, ben, mais qu'est-ce que ça signifie qu'il observait la Torah? C'est-à-dire, Dieu lui avait parlé de Vayomer Hashem Lech Lecha. Donc il avait pris conscience, il a reçu, il a découvert, il a reçu le principe de la transcendance. Une recherche. Puisqu'Abraham, comme Yitro, était insatisfait d'après le Midrash de l'idolâtrie qu'il y avait autour de lui. Par exemple, le fameux Midrash qui dit Abraham a vu le soleil et puis il a dit c'est ça mon Dieu. Alors, replacez ça dans le contexte historique, il est en train de parler de l'Égypte. Et puis après, le soleil a disparu, il a vu la lune.
il est dans le passé Gandrig, c'est-à-dire les régions lunaires de la Babylonie, à Ur en Chaldée, à Ur ou à Haran, dans la religion était lunaire. C'est ça le Midrash. Donc le Midrash a aussi, pas toujours, mais une assise historique. Et donc il a dit c'est la lune. Et le lendemain, le soleil est arrivé. Alors il était entre deux civilisations énormes qui se faisaient la guerre et chacune occupait l'autre, etc. C'est-à-dire, ça balançait. Il a reçu l'idée de la transcendance, l'Echlecha, sort de cette dialectique entre les deux. Il y a violence, précisément, parce que c'est la loi de la nature qui guide leurs empires. C'est pourquoi Rachid dit l'Ech me astarninu tchelcha, sort de l'astrobiologie dans laquelle tu es. C'est Rachid qui interprète comme ça. Donc, c'est-à-dire, sort de cette recherche de la loi de la conduite individuelle et collective, surtout des empires, c'était des empires, la Babylonie et l'Égypte, et ça produit la violence. Pourquoi ? Parce qu'ils tirent de la nature la loi à laquelle ils veulent soumettre tout le monde. Eh bien, la loi de la nature, c'est la violence. Hein, vous savez, si cette bouteille tient, c'est parce que la table est plus forte. Si la bouteille était plus forte, il trouverait la table. La loi de la nature, c'est la violence. On ne peut pas reprocher à un lion d'aller courir après une brebis pour la manger. Même si Isaïe dit les lois bitrèques. Oui. Vous voyez ça, ouais. Et c'est donc, autrement dit, il a reçu la Torah, c'est-à-dire il a reçu le fondement de la Torah, c'est-à-dire le principe de la transcendance. Il a compris que ce qui doit être n'est pas tiré de ce qui est. Et c'est pourquoi il dit, va-t'en, arrache-toi, et tu vas me construire une culture dans un pays promis, tu fondes un peuple, et ce peuple va prendre en charge le témoignage devant les nations de la transcendance, pas, et qui va, comme il le dit, il va souffrir pendant des siècles et des siècles. Et puis il n'a pas fini de souffrir parce qu'il est inassimilable. Tant que l'humanité ne veut pas se construire sur le principe de la transcendance, elle trouvera toujours le peuple juif là inassimilable, il n'y a rien à faire. Et alors le peuple juif sera avec le monde quand le monde acceptera ce principe de la transcendance. À ce moment-là, bon, il n'y aura plus d'Israël, un peuple d'Israël, c'est tout le monde qui... On appelle ça l'état messianique. En attendant, ce n'est pas demain la veille. Oui, monsieur l'enseignant. Je voudrais juste rappeler, si vous voulez, qu'au niveau du guide des perplexes, oui. Effectivement, Maïmonide se construit une philosophie, un dogme. Mais dans la réalité, que ce soit dans ses commentaires de la Mishnah, son Mishnah Torah, ouais, ça, ouais. Là, il n'est plus dans le dogme, non. Il n'est plus dans la religion. Ouais, ouais, il est vraiment dans ce qu'on appelle le judaïsme. Ouais, ouais. Et puis, quand il se sent dirigeant d'une communauté, au moment où il envoie l'Igeret Théman, donc il envoie sa lettre à Théman aux Yéménites, qui sont dans un état de désespoir complet, il arrive même à mettre plus qu'un coup de canif, puisqu'il parle de messianisme, ouais. Alors que lui n'est pas tellement porté sur ce qu'il appelle le messianisme. Ce messianisme-là. Voilà. Oui. Mais vous avez parfaitement raison, c'est pourquoi je rappelle, n'est-ce pas ? Le Moïse Maïmonide qui écrit le guide de Perplexe, c'est lui qui a écrit le Mishneh Torah. Il faut pas... C'est le Mishneh Torah. Donc il ne s'agit pas de remettre en question la loi. Mais seulement, ce qu'il veut, c'est essayer de comprendre la signification de cette loi, aussi bien individuelle que collective. Et alors le problème, c'est qu'au Moyen-Âge, il ne peut pas faire autrement que faire appel à la philosophie aristotélicienne. Il ne peut pas faire autrement. Mais bien sûr, oui. Mais encore une fois, c'est le même Maïmonide, ce n'est pas un schizophrène. C'est le même Maïmonide. Et les gens, bon, plus tard, il ne faut pas oublier que nombreux sont les théologiens chrétiens qui sont inspirés énormément de Maïmonide, hein. Particulièrement Maître Eckhart, qui appelle Rabbi Moïse. Bah. Maître Eckhart a puisé énormément, bah. Saint Thomas d'Aquin aussi, des tas de théologiens chrétiens ont lu Maïmonide et ils ont énormément emprunté de Maïmonide beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'il a tracé la voie de la théologie. Alors, ce qu'il y a, c'est que le grand mérite, il a réveillé les gens à la nécessité de comprendre. Le problème qu'est au Moyen-Âge, il n'y avait que cette manière de comprendre, il ne pouvait pas faire autrement. Oui, bien sûr, j'ai dit, oui, l'ouverture à la philosophie, mais c'est lui qui systématiquement a construit véritablement ce monde-là. Mais comme tout le monde. Parce que si le Messie vient, il vient pour tous.
pas simplement pour le peuple juif. Oui, c'est exact. Bien sûr, mais seulement les gens, comme les Maïmonides, la masse ne veut pas, elle veut rester dans la nuit. Elle veut obéir sans comprendre. C'est un grand mérite. C'est grâce à ça que le peuple juif a traversé aussi 2000 ans d'exil. Il n'y a pas de problème. Il faut leur jeter la pierre. Il y en a qui obéissent et puis ça l'intéresse. Ils ne peuvent pas, ou ils ne savent pas, ou je sais pas moi, ou ils ne sont pas doués, pour des tas de raisons, d'ignorance, ou de lâcheté, ou de démission, ou d'angoisse devant la responsabilité. Ils ne veulent pas comprendre. Dieu a dit cela, il faut le faire. Mais Maïmonide dit non. Et surtout aujourd'hui, il faut dire non. Dieu a dit de vous servir Shabbat, je veux savoir si, à travers le Shabbat, j'ai dit encore quelque chose aux nations. Mais sinon, alors, que veut dire Shabbat, alors, pour moi ? Ça veut dire que je nie le sens universel du Shabbat. Je dis simplement, c'est spécifique au peuple juif. Mais pas du tout. Ah, bien sûr, si vous pensez que Dieu s'est fatigué, il s'est reposé, et pour dire qu'il s'est reposé, je fais Shabbat, vous êtes encore dans la nuit, bon, c'est votre affaire. Mais c'est sûrement pas pour cela que le Shabbat est fait, c'est pas pour le repos. Oui. Le Shabbat, c'est un temps où on entre qui est différent du temps de 6 jours. Le temps de 6 jours, c'est le temps du travail. Je m'occupe d'habiter le monde et de transformer le monde. Je suis en rapport avec le monde continuellement, avec le système économique, politique, physique, social, astral, etc. Parce que tout ça, c'est le monde et il faut que j'habite le monde. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'il faut que tu réserves un temps où tu vas construire ton identité, non pas à partir de ta relation à l'objet, mais la relation à l'homme. Arrête ton relation à l'objet. Oui. Je ne veux pas de téléphone. Je veux pas. Non pas parce que Dieu s'est fatigué. Parce que je veux cesser le rapport avec l'objet à partir duquel je construis mon identité, mais dans la puissance, parce qu'avec l'objet, je le déplace, il n'a rien à dire. Mais ce n'est pas la seule. Quand tu vas rencontrer l'homme, si tu ne connais pas le sens du Shabbat, tu vas considérer l'homme comme un objet, tu vas le déplacer comme tu veux. L'homme n'est pas un objet. Et donc, quand tu vas construire ton identité à partir de la relation de l'homme à l'homme, ton identité est complètement inverse de celle que tu construis sur la puissance promettée avec le monde. Pourquoi ? Parce que tu rencontres l'homme, on te demande de démissionner de ta puissance, de ton pouvoir. Quand tu rencontres l'objet, mais il faut que tu existes dans ton pouvoir, il faut que tu détruises, que tu traces les routes. Et donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même identité. Alors, je veux au moins réserver 25 heures, 26 heures par semaine à m'occuper de la relation de l'homme. Je vous invite à ma table, on a tout le temps, on discute, je veux me remplir de vous, de ce que vous m'apportez, etc. Parce que je veux remettre en question cette tentation du pouvoir que me donne la relation à l'objet, la science, la technique, etc. Ça n'a rien à faire avec le repos. Qui vous dit qu'on se repose Shabbat ? C'est pas parce que je prends pas la voiture ou je n'allais pas à l'université Shabbat que je me repose, c'est là où je me fatigue le plus. Parce que vous savez, prier pendant 2-3 heures, s'asseoir à table et discuter avec les enfants, avec la femme, avec les invités, retourner à la prière, revenir se concentrer. Mais c'est une fatigue ça aussi. Allons. Mais non, pas du tout. Je suis en train d'entrer dans un monde qui est différent du monde des 6 jours. Et c'est la place que je prends et la manière dont je fais Shabbat. C'est-à-dire j'entre dans cette relation au temps qui n'est pas le temps de l'objet, qui est un temps différent précisément. Qui est l'essentiel. L'homme est fait pour le Shabbat. L'homme est fait pour le Shabbat. C'est ça qu'a dit Jésus. Pas. Que veut dire que le Shabbat est fait pour l'homme pas. Bien sûr que le Shabbat est fait pour l'homme quand l'homme est en santé. Il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un est en danger de mort, qu'il est malade, etc., le médecin, même le jour de Kippour, il prend la voiture et il va voir le malade. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce procès que nous font les théologiens de l'Église ? L'homme est fait pour le Shabbat. Mais ils n'ont rien compris, ni à l'Évangile, ni à la Torah. Ouais. Et on est dans un autre monde. On est dans un autre monde. Ouais. Et c'est ce sens-là qu'il faut chercher, précisément. Et Maïmonide, c'est encore le génie de Maïmonide, c'est qu'il a fait son travail en tant que rabbin dans son temps. On ne lui demandait pas de parler pour le 21e siècle. Et pour son temps, il a passé, grâce à lui, la tradition a continué. Elle s'enrichit de plus en plus. Merci beaucoup, Armand.